Twitter. Hein. Ah non, ouais, il y est pas. Ouais. Ah non, mais Ouais, il va pas nous faire ça maintenant, là. il y était tout à l'heure, par contre, ce On va tirer jusqu'à 21h, de toute façon, on va bien voir. De toute façon, il a dû voir le live de Bakel démarrer, il a dû voir mon live démarrer, donc normalement. Voilà, normalement. Normalité. Du coup, on était G fractal, voilà, parce que j'aime bien le truc aléatoire. En taille de la carte. La logique, je voudrais qu'elle soit immense. ce Parce que serait la dernière bien. fois, on a trouvé qu'on était trop proche. On avait mis Ouais. pourtant normal ou orange, je crois. On avait mis. Ouais, on n'avait pas mis super grande, mais on avait mis normal, je crois. Hein. Mais par contre, on Donc était tous les uns après des autres. c'est ça, on on va était mettre trop immense. proche. Sauf Kazuo, qui lui était à 15 bornes et qu'on a mis 3 jours à aller voir. C'est ça. Oh, j'ai pas écrit Casio sur mon live! Nulle part! Bon, d'un autre côté, les gens qui viennent sur mon live, il y a marqué Casio normalement. Enfin, s'il venait sur ton live et qu'il s'est pas quitté, voilà. Oh bah le reste c'est bon, climat, emplacement, précipitation et tout ça, je déteste tout de base. Ah, peut-être les ressources en classique ou en abondante. Oh, j'ai regardé l'âge du monde là. Bah, il peut pas être vieux, il a pas encore débuté. Si justement, moi je voyais bien en vieux à ce Voilà moment-là. quoi. Avec En pas beaucoup climat de collines et de polaire. montagnes. Pas beaucoup. Je veux faire la Russie. Je veux qu'il n'y ait pas de montagne et pas de colline. Et je veux un climat polaire. Emplacement de départ. Je veux que ce soit légendaire. Je veux qu'il y ait la merde et qu'il n'y ait rien. Je veux que ça soit légendaire, que je Précipitation. mette 6 ans avant de pouvoir construire mon premier soldat, ça va être génial. Le niveau de la mer, je veux qu'il soit super haut, comme ça on a les pieds tout le temps dans l'eau. Impeccable. Je veux qu'il n'y ait qu'une victoire religieuse. Ah, du coup, vu qu'on a changé la taille de carte en immense, en cité-état, je suis passé à 24. C'est beaucoup ou Ah, ça fait beaucoup par contre, du coup. Attends, je vais voir, je l'avais pas fait moi. Taille de la carte, immense. Et bah, je pense que 15, c'est bien. Le mec qui large. passe de 14 à 15. Tu te dis, hein, quand vous avez fini de décider ce qui va se passer demain. Non, mais vu que t'as pas l'air très présent sur ton live, voilà, on veut pas te. Oh le mec! Je peux pas parler Donc, un avec rapport vous Cura, et j'ai jouer à rempli ça. mon truc à Mundi. Voilà, c'était Tu la l'avais pas encore transition fait? que. Non! C'est quoi ton truc à Mundi? Bravo. C'est une prime qu'on va avoir. D'accord. Pour pouvoir s'acheter une PS5. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ouais. Donc, vous l'avez pas avant 3-4 ans alors? 5 ans. Exactement. Moi j'ai postulé, ça y est. D'accord, ok. Moi aussi j'ai postulé ce matin. Mais j'ai coché non, quoi. Bah, en même temps, c'est simple, regarde, Bakael. Ubisoft nous envoie un mail Ouais. pour un bêta test. Ouais. Êtes-vous disponible toute la journée, nanana, Ouais. pour un test de 1h30? Moi, je suis intéressé par le test d'1h30, mais je suis disponible que l'après-midi. Donc, et la première question, c'est, êtes-vous disponible toute la journée ce jour-là? Bah non. C'est pas trop con. Et t'as précisé derrière l'après-midi? Non, tu peux rien préciser, Non, c'est t'as pas de un PM. commentaire. D'accord. Comment on s'inscrit? Non, mais c'est pas grave. Ça a l'air S'ils appellent Kiora. Et voilà, il leur dira, écoutez, c'est à quelle heure et tout ça, j'ai mon collègue, c'est que Ah il est bon? disponible que l'après-midi, voilà, Faut comme que je d'hab parle en quoi. plus. Faut que je parle, mais pour toi, tu donnes combien, hein? Donc, ouais, âge du monde nouveau, enfin, je laisse comme ça maintenant. Ouais, laisse en classique, ouais. Ah, parce que moi, c'était pas en classique, c'était en abondant. Non. Les ressources, par exemple. Ah, ça, c'est les ressources. Ouais, c'est pas gênant. Hein, fais-toi plaisir là-dessus. Nous, on voit pas. Personne ne sera témoin sur le live. Attends, je vais Non, lui mais envoyer. je laisse tout en classique. Je vais lui envoyer un message sur Twitter. Histoire de le harceler un petit peu, du coup. Postuler dans ton équipe. Fais-moi ça. Ah, putain, d'accord, ok. Oui, je me suis chié dessus. Est-ce que ça va mieux?
Carrément. Eh, je suis en pyjama, les amis. C'est la première fois que je fais un stream en pyjama. C'est vrai, moi je suis en slip. Mais c'est pas grave, on me voit pas en bas. Mais... Avant, j'avais pas de pyjama, en fait. Tu fais comme moi, t'enfiles un t-shirt juste avant, non? Du coup, je pouvais pas trop le faire, ouais, c'est ça. Je change de t-shirt, je mets un truc. Putain, je trouve pas le compte à Spirou là. Un peu crédible. Je l'ai pas ajouté dans mes amis? Je vais baisser mon bitrate parce que je perds quand même beaucoup d'images en fait. C'est toi l'ami. Avec plaisir. Shift tab. C'est ce que je viens de faire. Ah oui, mais je suis pas sur la bonne page. Shift tab. J'ai cliqué pour rejoindre la partie. Récupération des informations de l'autre. Non, de l'autre. Laquelle connecté. Ah. Moi je me mets dans l'équipe rose. Ah merde, y a pas d'équipe. Bon, si on peut en faire si vous voulez. Non, je déconne. C'est bon. Une équipe bon, ça sert à rien, les équipes. Ah putain, maintenant il y a des trucs avec marqué pas en possession. Ouais, ouais. Et première et John Curtin. J'avais pas les DLC. Ah, je dois pas tout faire. Non, mais là, c'est... ils sont sortis il y a pas longtemps, ceux-là. D'accord. Donc t'as les kangourous et t'as. La Pologne. Mais c'est un pays. Mais ça existe. Production plus 100% si la civilisation a reçu une déclaration de guerre depuis 10 tours. Ouais, j'aime bien Edwige première, je trouve qu'elle est stylée. Ouais. Justement. Mais juste le personnage. Parce que John Curtin, on dirait un peu un vieux alabamien, tu sais. Un vieux alabamien. Ça veut rien dire, vraiment mais. Dit ça, les gars. Putain, mais. Mais c'est un mec qui vient de l'Alabama. Mais tu dis de la merde par paquet de sang, quoi. Bah oui, c'est le principe du stream, non? C'était ah ouais, c'est vrai, merde. Vas-y, continue. Bah oui. Oh. Un vieil alabamien. On va revenir ça de la soirée. C'est l'alabamien. Tu mets un système de cotes et... Ah ouais, exact. Oh, en attendant, je vais faire un truc, je vais mettre un texte. Attends, je vais aller regarder du porno. Pam, pam, pam. Le mec, il applique vraiment le... Faut dire de la merde sur le live. Du coup, j'ai six débuts de live sans civilisation sur ma chaîne, c'est énorme. Va vraiment live. Ah ouais, live. Attends, vas-y. Comme ça, j'aurai le son de Kazuo pendant que Kazuo me parle, ça va être génial. C'est ça. Mais tu m'auras décalé. C'est pas grave. Voilà. Un vieil alabamien. Oui, je mets mes citations maintenant, bah, j'ai décidé. Va vraiment live. C'est bien. Et du coup, y a mon live qui montre ton live. Qui nous montre, tu m'en en train de live. Avec le son qui doit être triple, quadruple là. Arrête de bouger un alabamien. Là, il y a mes frères qui sont en bas. En haut, c'est mes actualités. Je mets mes citations maintenant. Hop, là, c'était de la merde. Je suis jaloux. C'est pas faux. Bon, les amis. Bon, il est où l'autre? Qu'allons-nous jouer? Je sais pas. Moi je dis, il est 20h59, The Spirou, c'est ta dernière chance. C'est pas cool ce que tu nous fais là. Attends, je vais écrire connard. Vas-y, il est où l'ami des bêtes là? Il est où le vegan là? Viens protéger tes animaux, on va tout saccager. Si tu viens pas, je te promets, je capture tous les animaux de la carte et je les tue un par un. Tu vois les ressources de baleines? Eh ben elle meurt les ressources de baleines. Je les capture tous et je les vends tous à qui aura gratuitement. Oh putain, ouais. Ah ouais, ne viens pas. Ah voilà, j'ai baissé mon bitrate, un peu moins gourmand. Je l'ai baissé à 450, qualité du live. Ça ressemble pas trop. Mais je perds plus d'image du tout. Du coup, Casio, tu vois, t'es en vacances là, en ce moment? Actuellement, je suis en vacances forcées. Où? Garde du petit. Ah, bon. Il y avait personne pour le garder, donc voilà. Attends, il est connecté sur Facebook, cet enfoiré. Ouais, bah là, allez. Bon, pour ceux qui sont sur le live et qui... Et qui regardent le robot qui défile sur ma chaîne Facebook. Il se passe rien. Sachez qu'on attend le quatrième joueur, en fait. Qui va prendre une branlée. Intercidérale.
Oh mec, il y a un robot sur un camion. Faut que je t'envoie la vidéo. C'est un Gundam. Non, non, je te l'envoie sur ton Facebook. C'est un Gundam. J'ai le Facebook de la chaîne de Kazoo ou pas? Bah, tu devrais l'avoir. Ouais, je l'ai, ouais. Putain, je suis en train de choisir ma classe en attendant. Pendant que vous amusez là. Ah, mais on choisit nos héros? Ah, pardon. Du coup, c'est pas l'heure de regarder du porno alors. C'est pas l'heure de regarder du porno. Il y a des persos que j'ai jamais joué. Elle est moche. Et ben vous savez quoi? Non. Non. Je vais jouer Theodore Roosevelt. C'est cool. Je crois que je l'ai jamais joué. Je trouve qu'il a la classe. En fait, j'ai même pas lu qu'est-ce qu'il faisait. J'ai même pas lu qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il faisait, non? Alors. Tous les bonus gouvernementaux transmis deux fois plus vite. Ah ouais? Exclusive à l'Amérique, cette unité aérienne. Ah, P51 Muscand. Muscand! C'est bon, j'ai mis de la poitrine sur mon chat. Sur mon live. T'as mis du boobs! J'ai mis des boobs! C'est important les boobs, ça fait attirer les gens. C'est ça. Ouais, mais Théodore, en fait, c'est de la merde! Non, mais sérieux, on choisit un héros? Bah oui, on choisit quelqu'un. Si The Spirou est pas là, ce sera un multi à 3. Hein. Et alors? C'est plus bah, tout. Moi, non, je reste aléatoire, moi. Je suis un dingue, moi! Et tu sais quoi? C'est une bonne excellente idée que t'as là. Allez. On va jouer en dirigeant aléatoire. Ah merde! Comme ça, on peut pas choisir. Ah, mais pas du coup, c'est pas dingue si vous le faites tous en même temps que moi, vous voyez. C'est pas in, vous voyez des niveaux. Quoi. Si tout le monde fait pareil, c'est plus fun. Quoi. Merde, voilà. Plus qu'à attendre. Non mais faut arrêter, The Spirou, là. C'est pas sérieux. Putain, en plus il nous a fait chier pour refaire du civilisation et c'est lui qui est pas là, quoi. Cool deal. Voilà, on reporte à demain, essayez de voir s'il y a peut-être un souci, là, soir. C'est bon. Bah il jouait jusqu'à présent. C'est ça, en fait, il était dessus tout à l'heure, il m'a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, sur le Steam, il m'a dit ah tu joues sans moi. Mais non, j'étais en train de calibrer mon live. Je t'ai bien envoyé un message pour te dire que t'étais un gentil garçon. Oui, exactement. Bam, bam, bam. Les gens qui doivent arriver sur mon live, ils doivent se dire un vieil albamien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça parle de porno sur leur truc? Je comprends pas. C'est le live civilisation porno. Porno. J'ai pris Theodore Roosevelt pour créer Brazzer. Attends, Brazzer, non, c'est pas un sandwich au KFC ça? C'est aussi un site de cul, je te rassure. Ah d'accord. Ah ouais, donc, t'es pas trompé. Je me demandais c'était quoi, mais je me suis dit s'il parle de cul, ça doit être un site de cul, mais. Moi je pensais surtout au sandwich du KFC, je crois. Non, c'est faux. J'ai une connaissance étendue sur les deux sujets, donc oui. D'accord. Le KFC est Brazzer ou. Moi, j'aime bien me masturber dans les buckets. C'est ce petit côté croustillant. Tu crois que j'ai pris celle-là aussi sur le live? C'est un peu long, moi j'aime me masturber dans les buckets. For Honor, 4000 joueurs vont bientôt subir la colère d'Ubisoft. Ouais, c'est tous les cheaters. 1500 farmers d'XP et 4000 autres à venir. Bam! Qu'est-ce que ça fait que les gens farment l'XP? Chacun son problème. Si tu veux faire rester un farmer chinois, moi je trouve ça cool les farmers chinois. Même des autres origines d'ailleurs. Non mais là c'est pire en fait, ils pourrissaient les parties. Ils se connectaient mais ils jouaient pas pendant la partie. Ah ouais, c'était de la merde quoi. C'était trop long. Tu vois, autant je suis d'accord pour que le mec il passe ses journées à jouer, mais faut qu'il joue.
Bon, franchement, les gars, on attend jusqu'à 21h10 au pire, mais après on lance, hein, faut pas déconner non plus. Ah, mais moi je lance quand vous me dites, hein. C'est vous qui êtes en live, pas moi. On est en live. J'ai lancé. Ah merde. Bonsoir à tous, bienvenue sur Bacal Live, le live où on fait du civilisation. Et ce soir, nous jouons avec Kiora et Kazuo, et on joue à Civilization 6. La partie ne devrait plus tarder à commencer si Kazuo arrête d'écrire des conneries sur mon live, cette espèce de gougnafier. Pourquoi je suis venu sur ton live? Je faisais ma présentation de départ, à l'autre il y a marqué un vieil à la bonne bière dans mon chat, quoi. Et moi j'arrive sur là, je vois objectif 1, défoncer Kazuo. Objectif 2, faire bouffer son bulletin de naissance à Spirou. Et objectif 3, forcer ma religion chez Kiora. Bah non, on veut pas commencer. Oh bah du coup je vais arrêter, hein. Si c'est comme ça, je les ferai pas. Le mec, ça le choque pas qu'il se fait que les deux, ces deux collègues se fassent violer littéralement, mais lui, oh non, pas de religion chez moi, les gars, ne connais pas. Bah non, mais le reste, je m'en fous. Bah, ils s'en foutent, c'est pas lui que je veux défoncer. J'avoue. Sinon, là, tu peux pas m'envoyer Emilie avec des gâteaux. Je viens de te voir rire. Je viens de te voir rire, c'était génial, c'était la première fois. C'était génial. T'as donc des dents, toi aussi, dans ta bouche, c'est intéressant. Sont un peu jaunes, mais ça se voit pas sur les lives, ça qui est bien. Ouais, c'est parce que ma lumière elle est jaune en plus autour de moi, donc bon, qu'est-ce qu'on fait? On se lance, on se lance pas, on se tripote la kikette. On a dit qu'on a pas de notre... Non, parce que maintenant j'ai envie de voir c'est quoi Brazzer. Je vais y aller si vous continuez. Allez. Vous me forcez à aller sur des sites de cul quand même. Hein. Franchement, on lance, il avait qu'à être à l'heure, et en plus, au pire, je crois que tu peux l'inviter in-game après. Ah bah non, il aura... choisira pas son perso, quoi. Une fois que c'est lancé, j'invite personne après. Non, mais là, et pourquoi t'as pris Kiora comme hôte aussi? Voilà, t'as vu ces règlements là qui nous inventent là? Je peux pas faire ma religion, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Oh putain, les amis, je ne suis pas un Jedi. Vous venez... Non, je ne suis pas un Jedi. C'est donc tout ce que j'ai à dire. Et du coup, c'est un Vendredi. Non, je suis l'Empire Sith. Ah. Moi, je suis une femme. Et moi aussi, mais je connaissais même pas ça. C'est quoi cet Empire Sith là? Moi, je bouffe des sushis. T'es nippon ou chinois? T'es le gros ou le maigre? C'est pas fou. Il y a le gros à moustache là ou le samouraï même, en katana. Samouraï, donc Japon. Avec la triforce sur les épaules. Ouais, c'est ça. Ah merde, si moi, je joue sur... Moi, je ressemble à Aloy. Mon personnage, c'est Aloy, mais en brune. Ah non, c'est pas juste. Moi, je veux être Aloy. Comment on fait pour bouger? Ah merde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux pas bouger. C'est au tour des autres joueurs. Mais on joue pas tous ensemble, je suis en chargement. Ah bah, voilà. Je suis en chargement aussi. Putain, mais j'ai chargé plus vite que l'autre, quoi. Ah là là. Vous auriez dû faire comme moi, hein. J'ai baissé les capacités graphiques du jeu. Bah, t'as pas surtout une 960 toi? Si. Voilà. Non mais voilà, le mec, j'ai une 960. Moi j'ai pas. Il a pas si autant. Je vais changer mon alim, Kazuo, tu veux récupérer l'ancienne ou quoi? Bah oui, avec plaisir. J'imagine qu'elle est mieux que la mienne, donc tu vois. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense aussi. Alors... Du coup, j'apprécierais, Kazuo, que tu arrêtes de streamer mon live en même temps que tu fais ton live. Que tu viennes pas jouer sur mon live, tu vois, que tu voyes pas mes actions à l'avance. Ah non, mon portable est coupé là. Non, mais il t'envoie pas Emily le faire. Elle dort. Déjà. C'est ce qu'ils disent tous. C'est bizarre parce que je le connais peut-être moins, du coup j'ai plus confiance en Kiro. C'est, effectivement, c'est bizarre.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? De quoi, c'est bizarre d'avoir confiance en moi? Bah, merci, j'apprécie. Ah non, merci, sympa, les gars. Non, mais je te connais moins, donc va bien. En théorie, je devrais pas avoir plus confiance en toi. C'est vrai. Mais vu que tu me connais bien, je sais qu'il faut pas avoir confiance en moi. C'est peut-être ça, le problème. Merde, j'ai oublié de choisir une technologie. Super. Super, Bakel. Continue comme ça, tu vas y arriver. Peut-être que finalement, en fait, il y a un décalage. Comment ça? Et que The Spirou, finalement, en Belgique, il est pas mercredi. Et du coup, ah ouais, peut-être que la Belgique est sur un autre fuseau horaire et qu'on va arrêter de se foutre de notre gueule 5 minutes, non? C'est ça. Putain. Non, j'avoue que là, je comprends pas pourquoi il était sur Steam tout à l'heure et pas là. Mais là, il a peut-être eu un souci dans son familial, on ne sait pas. Bizarre, il ressemble pas. Chercher lui pas des excuses. Il ressemble pas d'avoir une famille. Non, mais il nous aurait dit, il nous aurait envoyé quelque chose, quoi. Chercher pas une excuse, hein, quand on va le voir, c'est faire clouter et... direct dans ses fesses, quoi. Cool. Ah, la chance. Et merde. Je viens de voir où était le compte. C'est ça, en général, direct dans ses fesses, ça se résume à peu près à ça. Et c'est merde. Pas... Non, c'est pas ça, c'est que je viens de voir où est le compte barbare, il est de l'autre côté. Un compte barbare à côté de chez toi? À 3 cases. Mais comme t'as pas de bol. Un petit peu, tu trouves aussi. Moi j'ai des chevaux, des moutons, du bétail, de la pierre, des oranges. Non, mais arrête de faire le malin là, c'est bon. Mais tu le sais bien vu que t'es sur moi. Quoi? Oh non, je suis démasqué. Non, je suis pas sur ton live. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Déjà, je suis pas sur ton live parce que sinon on le verrait sur mon live. Parce que t'es en capture d'écran? Ouais. Je suis en capture de jeu. Non, je suis en capture de fenêtre. Elle est ouverte ou pas? La fenêtre? Oh, ouais, le chat il est dessus, il regarde le ciel. J'ai un chat philosophe. Bah. Abdullah. C'est la poule qui philosophe. Alors, la poterie. Parce que j'aime bien la poterie, les amis. Putain, ouais. Mais Kazuo, on est toujours en train de t'attendre, quoi. Ouais, c'est ouf, hein. Voilà, j'ai modifié mon bitrate en me disant « Ah, ça passe bien, là, c'est cool !» Eh ben non, t'aurais pas dû, connard, touche pas à ça, petit con. Ah, c'est d'améliorer un petit peu la qualité du live pour les gens. Un petit peu. Écoute, pas grand chose. Le plus important, c'est que toi, tu trouves ça bien. Moi, ouais, ça me va. Pour ma connexion, ça me va. Ouais. Donc là, j'ai Skype d'ouvert, j'ai Civilization 6, donc je suis très content déjà de pouvoir streamer, quoi. Et c'est lisible. Donc déjà, si on arrive à lire les écritures sur le live... Heureusement, c'est pas un jeu rapide. C'est une image fixe, ça passe bien. Putain, il y a masse de ressources ou c'est moi? Est-ce que j'ai nouveau continent découvert? Oui, il a mis en abondant les ressources. D'accord. Non, j'ai tout mis en classique, je crois. En classique? D'accord. Ouais. J'ai découvert la côte d'Agen. Et moi, je suis en Sibérie. Ah ouais, toi, t'as encore commencé dans la neige. C'est, non, il n'y a pas de neige, justement, bizarre. Y'a pas de neige en Sibérie? Bah, c'est bien connu. Bah ouais. Depuis quand y'a de la neige en Sibérie? Ça serait sinon. T'es vachement vieux jeu, parce que moi pour l'instant je suis dans la jungle. Je sais pas si je vous la ai parlé jungle de Sibérie. De mon grand rêve de prendre le transsibérien. Putain, ça coûterait pas si cher, quoi. Non, tu nous en as jamais parlé. Un voyage de 2 semaines en train. Ouais, notre rêve. On t'y laisse bien. Ouais, mais c'est pas le même genre de train, quoi. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. D'accord, si tu veux. Je suis content. Pourquoi tu me parles de dogme? J'ai même pas essayé d'en apprendre. Pas de dogme encore? Bah si, justement, c'est pour ça que je comprends pas.
et 860 tours pour aller à mondialisation. Ouais, ah, c'est... une cité-état. Ça devrait le faire. À tous là. Oh, sympa leur symbole. Comment ça, la Touze, là? La Tentouze. Non, mais ça va pas te parler comme ça? Construisez un lieu saint. Quoi, tu sais, c'est ce qu'on met sur les vitres pour que ça accroche. Non, ça, c'est la Ventouze. Mais quel connard, c'est pas possible. Bah quoi? Ça se voit que vous regardez pas mes lives, vous. Bah non, je peux pas, tu live en même temps que moi à chaque fois. Ouais, j'avoue. Le mec, il a pas compris, je stream entre 20h et 22h, il stream entre 21h et 23h. Moi, j'ai aucune excuse. Si, t'as une vie. T'as une vie. Oh, la tristesse du truc, quoi. Moi, j'ai arrêté d'avoir une vie il y a 2 ans, déjà, c'est bon. J'ai un collègue qui m'a appelé la dernière fois pour me demander pourquoi je ne le voyais plus. On va voir que c'est pas faux avec Cure, on se voit plus en ce moment. On joue même plus ensemble, tu vois. Bah non, tu veux plus. Mais si, je veux, mais il faut me dire. C'est chiant, mais maintenant, faut me le dire un peu à l'avance, en fait. Ouais, bah ouais. Surtout que moi, je me décide toujours au dernier instant, alors, tu vois bien. C'est ça. Je t'envoie un message à midi, à 21h. Alors, on joue à quoi? Ouais, mais j'oublie après. C'est dommage, hein. J'ai un collègue qui est un peu comme ça, il m'invite à 7h pour me demander si on va manger au resto ensemble. 7h du soir, tu sais, quand t'as commencé à faire manger. Vert et jaune, c'est cité-état. Le néon? Ouais, ça devrait pouvoir le faire. J'ai rencontré le Brésil. Mais voir. Ouais, c'est cool, je suis une tête flottante dans le noir comme ça. Ouais. Ah, dis-lui d'arrêter de faire chier. Arrête d'essayer de vouloir dormir. T'es surfait dormir. Ces gens qui dorment dans la nuit, quoi. Faut voir que maintenant, avec mon t-shirt Jack, ça fait stylé. Si je le mets en grande sur mon écran, c'est vachement stylé. Je sais pas, moi j'ai mis ma veste. Ouais, les ressources, j'ai peut-être mis abondant, en fait. Ouais, je pense, hein. Il y a du truc quand même au mètre carré. Hein. Il y a beaucoup, ouais. C'est surtout les villages. On n'est pas trop seul encore. Les villages, tu sais, de paysans là, tu sais, ceux que tu conquis. Les trucs tribaux là. Ouais. J'ai leur nom aussi. Mais... J'en ai rencontré 3. Putain. Moi. Zéro moi. Zéro. J'ai 2 cités là par contre. Là, j'en ai à toi. Ah non, moi c'est un. C'est un joueur. Oui, que j'ai à moi, vu que je suis le premier à les avoir rencontrés. Je viens de rencontrer une autre civilisation, le mec qui est déjà hostile, quoi, connard. Ouais, mais il y en a de base. C'est ceux qui ont les objectifs militaires ou qui ont pas un objectif religieux ou culturel similaire au tien. Mais je le tue, c'est tout. Non, mais j'en connais des choses, hein. Grave, hein. Viens, viens à la base. J'en connais des choses, hein. Je sais dire de la merde plus que les autres. Vous inquiétez pas. C'est un talent naturel, ça. Veuillez patienter. Ah, j'ai de la diplomatie, mais je suis passé quoi. Il y a Pierre 2 du Brésil qui veut venir chez moi. Mais il a rêvé, lui. On n'est pas potes, hein. Non, pour l'instant, c'est. Tac. Choisir un dogme. Le mec, il a cru qu'on était chez Mémé. Quoi. C'est vachement bien chez Mémé. Alors qu'en fait, on va l'accueillir pour le principe, ouais. Déjà. Et surtout, pour essayer de faire des relations d'amitié. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah des négociations, c'est deux enfoirés de merde. Mais moi, y'a pas de barbare chez moi. Bah moi, pour le moment, je l'ai pas vu non plus. Ah bah vous avez de la chance, hein, moi je suis encore en guerre. En même temps, la carte, on l'a mis en immense, donc des fois, ça se trouve, c'est pas du tout à l'échelle, et comparé à grande, en fait, on va jamais se rencontrer. C'est possible. J'ai pas regardé combien y avait de tours de jeu. 250. 250, ouais. Ça va, c'est pas pire. Mon symbole, c'est un genre de cerf. Mais je les connais vraiment pas, les sites. Je viens de découvrir la Sibérie. À 2 mètres de chez moi.
Bon bah les gars ils avaient pas sorti les jumelles ce jour-là. Et toi t'étais où? Je sais pas trop, je sais pas comment ça s'appelle chez moi. T'es marqué hein, quand t'as découvert, c'est pour ça. Ouais? Ah merde, j'ai fermé le message. Après si tu laisses ton pointeur sur une case, ça te marque ce que c'est et le continent où c'est situé. Exact. Genre moi ma capitale elle est en Sibérie. Je suis dans les Baltiques, donc dans la Baltique. Donc déjà t'es pas au sud de moi. C'est pas gagné ça. Parce que le sud c'est Kumasi en dessous. Non, c'était vers le sud pour moi la Sibérie. C'était vers la sud-ouest. Et il y a du raisin. Ah oui, Baltica. Ah, j'ai des guerriers qui sont par là. Ah bah ça tombe bien. Approche-les qu'on se marre. Hein? Ouais, vu qu'on est toujours en attente de Bakael. Ah merde. J'ai oublié d'appuyer sur tour suivant, je suis désolé. Ah mais voilà, après ça critique et puis... Hein. Ça critique? Jamais de ma vie j'ai critiqué quelqu'un. Quoi. Si. Non. C'est pas parce que t'es une grosse merde. J'ai critiqué? C'est une grosse merde que je te critique, d'accord? Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, je suis... D'accord. Je vais rien dire. Pourquoi on peut engueuler? Pourquoi j'ai la musique de Code Quantum dans la tête? Ça, c'est pas la musique de Code Quantum. Putain, ça fait super longtemps que j'ai pas vu Code Quantum. Pourtant, c'est une très bonne série. Un peu vieillot, mais très bonne. Ça a mal vieilli, malheureusement, à l'image. Bah, disons que beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai. Mais bon, ça date, et niveau effet, il y avait à l'époque un vrai talent. Veuillez patienter. Non, c'est pas vrai, j'ai appuyé. C'est pas moi, c'est l'ordinateur. C'est pas moi, je vous jure. Mais pourquoi l'autre connard de Rio, il est... Ah mais oui, je l'ai pas laissé rentrer chez moi, donc... Donc il est pas content. Donc il fait chaud. N'aura jamais... Ah, alors, des barbares guerriers et des Kumasi guerriers. Ah oui, mais Kumasi, c'est normal, ça... En fait, je suis un con. Bah ouais. C'est bien. La côte d'Agen. C'est qui sur la côte d'Agen? Personne. Côte d'Agen, non. Voilà, comme ça. Des barbares en moins. Du coup, s'il y a des barbares, c'est qu'eux doivent avoir un campement pas loin. Merveille naturelle découverte. Le Tsingy de Bemara. À tes souhaits. Le Tsingy est un piège à tigre de 650 km². C'est cool. Et gauche? Gauche. Du coup, il faudra que je me fasse une ville à côté de cette merveille, moi. Moi, faut que je rase Rio de Janeiro. Parce qu'ils sont trop près de chez moi, ça veut dire que dès que je vais commencer à créer des villes, ils vont me casser les couilles. D'entrée. Mec. Je vais raser les gens. Attends, j'ai une ville, elle est à 4 cases de chez moi. Positif du commerce, je suppose. Toutes les nations s'attirent. Parce que t'es fâché. C'est pas fou. Attends, je suis fâché depuis que j'ai 8 ans. Ah merde. Ça, c'est vachement précis quand même. C'est dans les collines. Ah ouais, voilà. Si, là, j'ai un bon gros camp barbare à côté de moi. Là. J'ai un bon gros pénis barbare. Désolé. Glisser pénis dans n'importe quelle phrase. J'ai un bon gros pénis. Glisser pénis dans une phrase aléatoire. De toute façon, du moment où on glisse un pénis, nous on est contents. Ouais, il nous faut pas grand chose. Hein. Je sais pas la super musique, j'avoue. J'ai connu mieux en termes de musique de civilisation. Je peux pas te dire, j'ai pas de musique. Genre quand tu joues la France c'est génial. Normal, c'est la France. Ouais, c'est un concept. Je suis pas tout à fait d'accord.
J'avoue que je vais mettre une petite réserve à ce sujet. Qu'est-ce que vous? Il est bizarre le monsieur avec qui on joue. On joue avec qui? Avec The Spirou, l'homme fantôme. Avec The Spirou. L'initiateur du chat de ce soir, bien sûr. Putain. Quel enfoiré. Mais grave. C'est vraiment putain de troll hein, dans tout ce qu'il fait. De toute façon, c'est un vegan. Vegan, mais dis donc, c'est le nom du méchant de The Walking Dead. Ouais, mec, va te coucher, s'il te plaît. Walking Dead. Habitation insuffisante. C'est normal, je construis rien. Ah, moi, c'est en activité que je suis insuffisant, mais effectivement, il serait peut-être temps. Je me suis lancé dans la production d'un colon, mais j'aurais peut-être dû faire un bâtisseur à un moment. J'ai totalement oublié comment on jouait, quoi. Je vais l'acheter avec de l'or au prochain tour. Bâtisseur. Non, avec de l'or, je veux pas le changer, espèce de connard. Putain. Je veux acheter avec de l'or et il me le met en production. Ça, c'est cool. Pam 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 pam. Bâtisseur, c'est 100 d'or. Ah bah, c'est au prochain tour. Ah bah voilà. Le tour suivant alors. Voilà. Oh, on est pêché un peu là. Vous croyez que j'ai toute la nuit? Pourquoi tu veux qu'on vienne pêcher? Eh ben, parce que la pêche est bien. Là... En plus, elle est ouverte depuis mercredi dernier. C'est vrai? C'est cool. Ouais, c'est vrai. Du coup, t'es allé chez mon père, c'est pour ça que tu le sais. on m'a donné un pouvoir, c'est le savoir universel inutile. Ouais, c'est sûr. Les deux super pouvoirs, quoi. Inutile. Inutile. Alors, achetez un élément avec de l'or. Bâtisseur. Ici, va faire une ferme. Oh, des diamants. Trash metal. Un village trou de balle découvert. Là. N'empêche, quand tu regardes sur la carte, on dirait pas trop un village de Oompa Loompa. Je vous déteste. Non, j'en ai un, mais c'est pas un village de Oompa Loompa. J'aurais dit Schtroumpf. Schtroumpf pouilleux, quoi. Ah, du coup, je suis en attente. C'est l'Oompa Loompa, hein. Ah, c'est ça, ah là, mais si. Ouais. Ah, je le reconnais bien. Je vais aller sur le chat de mon live et puis je vais aller parler avec les gens uniquement par là. Voilà. Trop long, Kazoo, ça nous fait plaisir. L'idée de Spirou vous a foutu dans la merde, voilà. Ah bah en même temps, con, vu qu'il n'y a pas Spirou, la minorité visible, on est obligé de taper sur toi, voilà, c'est tout. Vous allez tellement payer ça. En plus, ce qui est con, c'est que ce Spirou, il m'héberge, quoi. Du coup, ça m'énerve encore plus. Et autant il est en train de te regarder sur ton live, tranquille, en invisible, et il fout bien de ta gueule. C'est pas faux. Je pense qu'il aurait ragé, parce que vu toutes les conneries qu'on a sorties sur lui depuis tout à l'heure. J'avoue. J'ai partagé un truc pour lui sur Facebook. Ouais. Pour les vegans. C'est sympa. J'ai pensé à lui quand j'ai vu ça. T'as un film sur les cannibales. Les cannibales? Bah ouais. Du coup, c'était totalement vegan, des cannibales. Ils mangent pas de viande animale. Mais au moins, t'as un apport en viande. Ouais, j'ai bien aimé l'image qu'il avait partagée cet après-midi avec, avec les animaux et leur fou rire. Le c'est texte, je m'en fous, mais c'était sympa, hein, les images. Après, moi, comme je dis toujours, j'ai rien contre les vegans, les végétariens, tout ça. Ils mais du coup, il faut pas qu'ils aient quelque chose contre nous, en mangeant de la viande. Non, mais ils sont juste chiants, tu peux pas leur parler, il y a que eux qui c'est ont ça, raison. Je t'emmerde pas, je te dis pas, hey, mais tu manges pas de viande, mais t'es trop nul, mange de la viande, tue des animaux, c'est super. Sinon, moi, je mange de la viande parce que c'est bon, la viande, point barre. C'est ça.
je fais pas partie des gens qui mangent pas de Nutella parce que dans le Nutella il y a de l'huile de palme. Moi je mange pas de Nutella parce que j'aime pas ça. Ah, déjà parce que pour presser des palmes c'est vachement chaud, c'est vachement solide et tout. Ouais, et puis c'est mieux de faire de la plongée avec. Quoi. Mixeur, quoi. Surtout que ça coûte cher. Ah, il faut des requins avec des bonnes dents quoi. Le village de Oompa Loompa. C'était Kazoo Live. Un vieil Adamien. Hein. Du coup, on va faire le tour suivant. C'est bon, je suis en train de bouger mes troupes. Je suis en train d'entourer Rio de Généraux. Là. Il a 1 million de troupes déjà. C'est ça. Ouais, à peu près. Alors... Comment ça, le Brésil, ils ont déjà une religion? C'est quoi ce bordel? Il y en a, ils font que ça. Hein. Raison de plus pour les raser. On voudrait surtout pas qu'ils aillent embêter nos amis Kiora et Kazuo. Probablement. Probablement. Du coup, ça c'est construit, ça c'est construit. Je voudrais qu'il aille là. Ah, il est en train de dormir. Brésil. Ah, j'ai découvert le j'ai rencontré le Brésil. Du coup, je suis à gauche de leur ville. Enfin, j'ai rencontré un gars du Brésil. Ah, d'accord. Tu dois voir leur capitale, normalement. Bon, bah, en attendant que vous jouiez, moi, je vais me faire un café. Ah, bah, voilà. Et même pas pour les autres. Parce qu'il y a sa gueule. Moi, j'ai joué. Ah ouais, d'accord, donc toi t'es à gauche de... c'est ça? De Rio. De Rio de Janeiro, ok, d'accord. Moi je suis totalement à droite et un peu plus bas. Ok. La compétence sans l'imagination, c'est ce qu'on appelle le... Je crois que mon nom de ville c'est une insulte. Ah bon? Ouais, ma ville c'est... Pokrovka. 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 Pokrovka nécessite élevage. C'est moi qui vais t'élever, connard. Ah putain, il y a un barbare éclaireur qui m'a découvert. Tac, vite. Avant qu'il envoie des troupes à raser ma ville. Faut jouer de castagne. C'est cadeau. Non, c'est casu. Là, les gars, vous êtes vivants, c'est ouf. Comment ça? Comment ça? Définis vivant. En même temps, t'as qu'à jouer là. Puis Kiora, il vient de dire qu'il est allé boire un café. Ouais, c'est cool quand on parle aussi là. Hein? Bordel. Deux. Le mec, il arrête pas de dire qu'on parle pas et il écoute pas quand on parle. Bah si, justement. Voilà, il allait se faire un café parce qu'il nous attendait, mais voilà, nous on attend maintenant. Ouais, on a qu'à jouer quand il nous attendait. Décide, c'est trop nul, les méchants ils doivent toujours perdre. C'est vrai. T'as bien raison de le dire. Oh. Ah bon? Vas-y, prouve-le. Donne-moi un exemple de méchant qui gagne. De méchant qui gagne? Ouais. God of War. Il n'est pas méchant. Bah Kratos il bute les dieux quand même. Si c'est pas être méchant, je sais pas ouais, ce que mais c'est. C'est une vengeance pour se venger de la façon dont ils ont assassiné sa famille. Ouais, donc enfin, c'est la façon dont ils l'ont forcé à tuer sa famille. Ça reste pas gentil. La vengeance est toujours agréable. La vengeance n'est pas la méchanceté, c'est légal. C'est vachement agréable. Tu prends une conversation au cours.
Elle est en train de me dire que les méchants ils perdent toujours, c'est pas vrai. Il a pas fait Star Wars Pouvoir de la Force. Si, je l'ai fait. Et ton héros, les méchants, ils gagnent toujours. Et ton héros, il est pas gentil. Non, il est méchant. Si, si, il est gentil. Non, il est méchant. Hein. Mais si, tu trahis Dark Vador au milieu du truc. C'est ça. Au début, il est gentil, mais après. Au début, il est méchant, mais après, il retourne sa veste, le connard. Ouais, mais il reste. Du coup, il reste méchant. Bah non, il est gentil. C'est des trous de balles, de toute façon. Je vais trouver, Parce qu'il faut que je cherche plus. Vas-y, j'ai trouvé quoi Ok, non, j'ai trouvé BioShock. Ouais. Voilà. Bah, t'es pas méchant. T'es pas méchant dans BioShock. Bah non. C'est pas toi le méchant, c'est le monsieur qui t'a envoyé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si. Mais non. Tu cherches quoi? Un jeu où tu incarnes un méchant? Un méchant qui gagne. Overlord. Je connais pas Overlord. Moi non plus. Vas-y, chante-nous le topic. Chante-nous. Mais on veut de la musique. Non, je ne chante pas. Bah voilà. Blague à part, vas-y. C'est quoi le pitch d'Overlord? C'est tu contrôles un seigneur démon qui vient de se réveiller et en gros tu veux reprendre le contrôle du territoire qui t'appartenait avant. Ah, c'est pas dans un donjon, un truc comme ça? Ouais, c'est ici. C'est des donjons? Tu contrôles des petits gobelins, des machins. Ouais, si en fait je connais. Autant pour moi. Je prends tout. Du coup, on tombe sous le thème de la vengeance, donc c'est pas méchant. Allez, vas-y. Mauvaise foi, bonjour. De la méchanceté gratuite. GTA. Sujet à discussion. Parce que moi, dans GTA... Non, c'est pas vrai, j'ai joué le fils de pute. Non, c'est vrai, ça marche. J'avoue, Kiora, tu as gagné. Par contre, c'est Kiora qui a gagné, hein. C'est pas Kazoo. Oui, ça, y a pas de soucis, l'essentiel c'est d'avoir gagné que toi t'as perdu. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah, le mec! Tant que tu perds, moi je suis content. Non, mais c'est vrai. Après tout, dans GTA, tu joues un méchant. Quelle que soit la façon dont tu le regardes, c'est un méchant. Bah non, je suis pas d'accord du coup. Ah bon? Bah non, en général, tu joues pas un méchant dans GTA en fait. Bah si. Attends. Bah non, en général, t'as perdu quelque chose parce qu'on t'a trahi, donc tu te venges, et donc non, t'as vengeance, c'est pas méchant. Dans le 1 et dans le 2, tu tues un tueur à gage. Tu joues un tueur à gage, ouais. Je veux dire. Et dans le San Andreas, si je me rappelle bien, tu joues un mec qui essaye de devenir un criminel renommé. Un chef de gang, ouais. Du coup, tu joues un méchant. Non mais il y a une raison pour tout ça à chaque fois. Le tueur à gage ouais, il s'est fait virer de sa ville précédente, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus des premiers, moi je me rappelle... de Vice City, GTA 5 et San Andreas. San Andreas, il y a une raison par rapport à ça. Le 5, je peux même pas en parler parce que je l'ai pas fait. Ah, mais de toute façon, il y aura toujours une raison pour être méchant. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais là c'est la raison, c'est la vengeance. Donc on a dit que la vengeance. Non, mais soyons d'accord sur le fait que dans Overlord, tu joues un seigneur démon parce que en fait, tu joues un joueur de donjon en fait. C'est comme... ouais, c'est ça, c'est un maître du donjon. C'est un Dungeon Master, là, je sais plus comment, il y en avait un qui est connu, Dungeon Keeper. Oui. Ouais. Parce que Dungeon Keeper, au final, tu joues aussi un méchant. Mais en fait, tu joues pas un méchant, tu joues juste un... Enfin, c'est un parc d'attractions, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Sinon, tu as les synthros aussi, où c'est vraiment gratuit. Ah putain, ouais, là, du coup, ouais, c'est vrai, tu joues vraiment un méchant, quoi. Il y a Mafia. Mafia. Yakuza, les Yakuza, je les ai pas fait, mais je pense. Mais il paraît que c'est sympa, il paraît que le dernier d'ailleurs il a été fait en le dernier, français. Plus, enfin, français, hein. Sous-titré. D'ailleurs, j'ai le Mafia 4 ou 5 sur PS2. En steelbook. Le mec qui est pas fier de sa collection. J'y ai jamais joué, je tiens à le dire. J'ai fait Mafia 2. Je crois bien. Non, c'était Yakuza 5, ouais. 4. Ah non, c'est pas Mafia 2 que j'ai fait, c'est le Parrain 2. Ah, le 1 était bien.
En jeu de gestion, ouais, les parts sont intéressants, j'aime bien. C'est bien foutu. Bah moi visuellement je préférais c'est intro quoi. Ah c'est pas la même ambiance aussi. C'est, oui, pas, oui. C'est pas la même ambiance du tout. Alors c'est intro en plus pour les avoir tous fait du coup maintenant, avec Kiora, ça part vraiment en couille à la fin quand même. Hein. Oh putain mais grave. Quel jeu tellement rigolé là-dessus aussi. Ouais. Quel jeu ne part pas en couille de nos jours quoi. Enfin... Ouais, enfin, dans le dernier, tu vas en enfer pour devenir le roi des enfers, enfin récupérer une âme. Pour te taper la fille de Satan, surtout. Ouais, gros, vraiment, ouais. Faut que je le fasse, ça a l'air génial. Et l'avant-dernier, t'es président. C'est ça, président du monde, de la Terre. T'es président de la Terre, tu vas dans l'espace à la fin. Bah, spoil pas non plus. Voilà, ah, voilà, ouais, voilà, voilà. Ah ouais, gros spoiler. T'aurais pu le dire avant, c'est quoi. C'est même le début de celui où t'es dans le démoniaque. Ouais. Mais ça s'appelle Gale of merde. Gate of Hell ou Gateway to Hell, je sais plus. Ouais, c'est ça, je crois, c'est la porte des enfers. Mais très sympa. Ouais. Un bon défouleur ouais. Aussi, ce truc. Comme les Dead Rising. Il c'est pas ça. Que le dernier est pas terrible. Ouais. Le problème c'est qu'ils sont retournés apparemment sur les origines du 2 et du 1. Mm-hmm. Donc sur le journaliste. Ouais alors. En mode bien relou. Bah en fait ce qui était relou, t'avais toujours des périodes courtes, bon ça ils l'ont toujours gardé. Mais avec des sujets photos, etc. Mm-hmm. Et c'est putain de relou alors que tu prends le 3 et celui qui l'a sorti c'est le 4, non c'est le 5 là le dernier sorti. Mm. Des milliers bah, de... Nous on a fait le 3 je crois ou le 4, je me rappelle plus. Où t'es un mécanicien. 3 C'est le 3, hein. Celui-là par exemple c'est de la bombe. En fait vous jouez quand je suis pas là. D'accord. En fait on joue surtout depuis des années. Non mais j'ai compris. Même avant de te connaître. Ah mais j'ai compris, les copains, voilà. Ouais. Bah, après il faut savoir, tu as dit au début de l'âge que tu me connaissais pas, maintenant tu veux jouer avec moi, c'est quoi là? Non, j'ai pas dit que je te connaissais pas, j'ai dit que je te connaissais pas beaucoup. Pas pareil. En plus, je l'ai pas dit dans ce genre de situation. Remettons le contexte à chaque fois. Ouais, s'il te plaît. Hein. Et puis commence pas à faire tatata, on a déjà Kazuo sur le live. Hein. À pas cumuler, hein. Oui. Alors ça, c'est gratuit aussi. Et ça, je prends. J'accepte. C'est beau. Où c'est que j'envoie un émissaire? Dans ton boule, on va aller par là. À Jérusalem. Juste pour le fun. Envoyer un émissaire à Jérusalem, ça a la classe quand même. C'est pas mal. On s'éclate dans ton pays. Hein. C'est vrai que dans le tien, c'est tellement bien. Ah, ma civilisation vient de naître. Hey, regardez, il y a un pays à côté. On va aller, aller défoncer. Ouais, mais le meilleur stimulant pour la technologie, c'est la guerre. Puis j'ai pas encore commencé la guerre parce que j'ai pas assez de troupes et il y a des barbares qui arrivent du sud. C'est vrai que c'est un très bon stimulant pour la technologie, par contre pour la population. C'est pas top. J'avoue que. La population. Il va avoir connu des jours meilleurs. Maintenant il faut écouter sa population. Quoi. Et dans 5 minutes, il va falloir en plus que je leur demande leur avis, non? Ah bah ça va finir comme ça, fais gaffe. Hein. Ouais. Non mais t'as cru que je faisais une démocratie moi? Moi ça va être goulag et avancer avec des petites moustaches tout de nez et ah. D'ailleurs c'est dommage que tu puisses pas imposer des dictatures ou des trucs comme ça. Non, tu peux juste prendre l'état d'esprit. Ouais, tu peux prendre l'état d'esprit mais tu fais rien qui... Enfin t'as pas d'action qui le prouve. Ouais, c'est ma foi vrai. Pourquoi il m'aime pas Basile hostile? Moi aussi, il est hostile, je sais pas pourquoi. Parce que. Peut-être parce il a que une intention cachée en plus. Peut-être parce que je lui ai dit qu'il pouvait pas venir chez moi. Ça non, moi je l'enfile. C'est là qu'il s'ose à me dire. Bah voilà. Après, tu te demandes pourquoi il t'aime pas. Bah en général, pourtant, les gens ils aiment bien. Non. 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 Bon, ceci dit, j'ai déjà rencontré beaucoup de cités-états. J'en ai rencontré 4, il y en a combien? J'en ai rencontré 14, 0. 15. Tu m'avais demandé d'en mettre 15, j'en ai mis 15. Oui, non, mais j'ai
J'avais besoin de blé. Ah, c'est lui que je cherche à buter. Alors, toi, tu peux repartir en exploration. Mes frondeurs vont s'en charger. Oh, du diamant. Cool. Tu peux faire des armures en diamant. Non, on n'est pas dans Minecraft. Je peux faire un robot en diamant. Ça a l'air génial. Je veux un Gundam. Un robot en diamant, magnifique. Ouais, intérêt limité, mais magnifique. Ouais, voilà, maintenant il faut le qu'il y ait un intérêt solide, en plus. Quoi. Pas solide le diamant? Ouais, c'est... Si, si. Oui, non. Je sais pas du tout, hein, c'est des vraies questions. Ah si, le diamant, ça m'interroge très dur. Ouais, mais donc le chemin, si tu fais un robot en diamant, il serait super solide. En plus d'être super beau. Un super beau, il serait transparent, quoi. C'est super. Et encore, pour qu'il soit transparent, il faut qu'il soit poli, le diamant. Je peux pas te trimballer un poil dans ton robot, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est vrai, ça. Putain, Kazuo, t'imagines, tu mets juste ton casque pour faire style devant la caméra, et après, t'as un poil dans ton robot, quoi. Ah, tu veux faire comme dans Avatar, tu veux dire. Tout ça, poil. Je suis désolé, hein, je suis en train de bouger 2-3 unités à côté de Rio. Eh, moi aussi. D'ailleurs, ils ont une autre ville à côté. Votre peuple s'installe de plus près. Oui, c'est vrai. Va te faire foutre. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, t'es pas ma grand-mère. Imagine qu'il te dit si. Bakael, je suis ta je grand-mère. Je suis ta grand-mère. Non. Choisis un panthéon. Mon panthéon est décousu. Non, c'est dans pas de talent. Si, si. Habitation insuffisante. C'est bien. C'est dégueulasse. Je lis les machins, je lis tradition orale. Mon esprit, il a fait tic-tic. Tradition orale enclenchée. Je vis bien ta vie. Dieu du ciel ouvert, mais putain. Ça fait tellement primitif. En même temps, t'as un site. Hein. C'est vrai. Du coup, je vais prendre un rite de fertilité. Parce que nous, les sites, on est des violeurs de maman. C'est pas faux. Mais on avait dit qu'on s'attaquait pas à maman. On est des sites, on sent pas les coups. Tant que c'est pas ma maman, tu fais ce que tu veux. C'est exactement ça. Le problème, c'est que c'est forcément la maman de quelqu'un. Ça qui est chiant. Je m'en fous, je connais mais pas. Mais si tu le connais pas, c'est pas grave. Ouais, mais bon, le faut jour être... où lui va me connaître, ça me fait un bizarre. Faut être pragmatique. On peut non, pas sauver pas tout. On peut pas sauver toutes les mamans. C'est horrible. Voilà, voilà, voilà. Je vais encore me faire défoncer un éclaireur par un barbare. Putain, fais chier. Il me faut de l'activité, moi. Peut-être commencer à faire des bâtiments dans ma capitale, ce serait pas mal aussi. C'est pas le tout de faire des armées et tout. Ouais. Putain, j'ai rien branlé depuis le début, quoi. Mais pareil, c'est ça. J'ai même pas d'armée, j'ai rien. J'ai rencontré l'Empire japonais. Ouais, j'ai une super armée, j'ai deux frondeurs et un guerrier barbare. Et l'Empire espagnol. T'as rencontré Jap? Fais attention, hein, c'est délicieux. Leur maître, c'est Kiki. Ah putain, j'ai oublié. C'est Kiki. Il est où Kiki? Kyora-san. Kyora-san. Bien sûr, la vie de rencontrer Kyora-san. Kyora-san, Nicolas-san. Je te déteste.
tout mon être, tout mon corps, tout mon organisme se met à te détester. Pourquoi ? Je deviens ton némésis. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si je peux vous la passer, attendez. Aujourd'hui, Pokémon passer, Empire japonais. Empire japonais. Regarde, j'ai la Triforce. Non, tu es trop puissant pour moi. Effectivement, si j'ai la Triforce, je vais être trop puissant pour beaucoup de monde. Ouais. Ah, mais c'est ton éclaireur qui se fait attaquer par les archers. Ouais, mais c'est pas grave. On va t'aider. Il a fait sa attention. Non, je vais t'aider. Nous battrons jusqu'à la mort. Les mecs, ils lancent des cailloux contre des flèches. Vous allez vraiment vous battre jusqu'à la mort, c'est sûr. Moi, j'ai attaqué tout le bateau. Oui, la vulgarité, ça fait de l'image. Tous. Sinon, les gens ne regardent pas les gens de la vulgarité. C'est les gens de la télé-réalité. Non, c'est comme d'aller à l'école de l'animalerie. C'est plus intéressant d'une animalerie. Ces chiens-là, t'as vraiment perdu. C'est ça. Putain, y'a mon colon, il passe juste. Regarde ton éclaireur. Tu vois l'archer ? Tu vois à droite de l'archer ? Je vois pas à droite de l'archer. Y'a mon colon, et à droite de mon colon, y'a le campement barbare avec les deux anciens. Le mec, il est. Moi, j'ai bien compris. Par contre, si tu continues au nord avec ton colon, t'arrives sur. Non, je l'ai pas tapé. Ah, c'est peut-être la cible Camille. Merde. Papam. On attend qui là ? Bon, Michael. Bien, je suis fini de mettre mes troupes. Allez, on commençait pas. Hein. Je peux pas dire. Mais déjà, la partie d'avant c'était pareil. Alors. Non, c'était bah, tout. Excusez-moi d'être plus lent que la moyenne. Hein. Excusez-moi d'avoir envie de gagner la partie et de réfléchir quand t'as un bout qui joue comme des connards. Non, mais c'est que j'ai plein de troupes à mettre à côté des mecs là. Ouais, t'as plein de troupes à mettre, ouais. Bah, j'ai encore un frondeur là qui doit y aller, mais il est pas très rapide. Après, j'avoue, le plein est peut-être abusé dans mon cas, mais j'en ai 2-3 quoi. J'ai 2 unités là, elles doivent se déplacer. Ouais, c'est à peu près ça. Je vais upgrader les bâtisseurs, tiens. Voilà, c'est pas des bâtisseurs, c'est des fondeurs, mais c'est pas grave. Par contre, du coup, je me fais attaquer mon chez-moi. Je dois pas tarder à rentrer en guerre avec Roosevelt. Ça a l'air bien. Les mecs trouvent des excuses pour faire la guerre. Après, c'est. Ouais, mais Bakel, t'es beaucoup trop belligérant, hein. Voilà, voilà. Le mec, là, il a créé une ville sur mes frontières. Je peux pas laisser passer ça. Mais c'est moi, c'est pareil. L'autre, là, Rio de Janeiro, il est à 1 mètre de chez moi. J'ai construit une ville direct. Il m'a dénoncé, cet enfoiré de fils de. Cet enfoiré de fils de Brésilien, hein. Fils de Janeiro. Hein. Moi, je connais pas Janeiro. Hein, donc je parle pas de lui, mais j'en pense pas moi. Chacun d'entre nous. Ouvrir un arbre de technologie. Tiens, on va faire ça, ça a l'air bien. L'écriture. Non, mais moi, je les archers, c'est cadeau. Je veux pas qu'ils deviennent intelligents, ouais, moi les miens. J'en ai rien à foutre. Ça m'a fait un oreca en plus. Du coup, moi je veux aller, j'avais dit. Ici. Moi je veux que mes mecs ils soient cons comme leurs pieds, rien à foutre. Vous avez rencontré une nouvelle cité d'État, Kaboul. Où est Manhattan ? Non. De l'autre côté. La blague ! Ce sont les petits lucs. La blague ! L'humour ! J'adore ! Change de doctrine.
trop de level sur ce live. Pas de level de jeu, level de blague. T'as vu? T'as vu? Vas-y. Hein. On se coyote. Quoi? On se coyote? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça dit des... ah, on peut pas mettre les mots dans l'ordre qu'on veut pour que ça dise quelque chose. Bah non. Voilà. C'est vachement compliqué langue française, merde. Putain. On se coyote. Non mais j'aime bien en plus. C'est vraiment des pastèques hein, quand même. Hein. Voilà, ça continue. En fait, je pense que quand j'ai dit once, ça veut penser à conce, et du coup j'ai dit coyote parce que la con coyote. Alors, attends, est-ce que je vous explique comment ça se passe dans mon cerveau? Mais c'est ça, pas la peine. Je suis pas charpentier. Voilà, c'est ça. Maintenant, t'es couturier. Exactement. De père en fils en plus. Et en cousine ou pas? De père en fils en cuisine. Mais t'as un peu une tata, non? Ah. Bah oui. Voilà. La discussion qui ne sert à rien. Ah, parce que d'habitude, elle sert à quelque chose. Surtout rien dire. Mais ça veut dire qu'on a personne sur le live en fait qui nous parle. C'est ça, ouais. On se sent seul un peu. Il y a l'Espagne qui a lancé un éclaireur. C'est qui l'Espagne déjà? Ils l'ont pas lancé trop loin, ça va faire un Superman. C'était pas toi, Cas? Superman? Non, l'Espagne c'est pas moi, non. C'est vrai, c'est cool. Moi je suis Batman. Oh. Je suis le Batman. I'm Batman. I'm Batman. Je l'ai vu le film Lego Batman. T'as vu? Non, je l'ai pas vu. C'est une putain de tuerie. Tous les bons films doivent commencer par un écran sombre. Et une grosse voix. Voilà. Moi j'ai trop rigolé. Spoil de 2 secondes de film. C'est ça. C'est pas grave. Je l'ai pas vu! Il est génial. Vous avez rencontré dans Pierre America. Ah, il est vraiment génial, faut le regarder. C'est vous. En plus, il est disponible sur tous les sites de streaming. Non, j'ai rien dit. Oh ouais. Et j'apprécie le jeu de beau. Je voulais dire Lego, puis je me suis dit non, Lego c'est plus drôle. Oui, et du coup, ça va trop bien. Voilà. Et oui. Lego, Batman. Ouais. Retrouvez-moi tous les soirs sur Bacal Live. je fais du live. Sur Casio Live. Sur Casio Live de temps en temps. Comme quand je stream pas, je te host. Hein. Ouais, je sais. Et moi aussi. Ça fait longtemps que je t'ai pas hosté. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a les listes de hosts, elles sont un peu aléatoires en ce moment. Non, en fait, ça prend toujours le mec qui est en tête. Bah ouais, mais pas toujours. Parce que des fois, t'étais en stream, et je me suis rendu compte que je restreamais le troisième de ma liste. En fait, ça dépend, s'il a commencé avant moi, ça va pas couper le stream. Ah merde. Bah ça m'emmerde. Ah, parce que, si, que ça marche. Si je me suis fait chier à faire une liste, c'est qu'il y avait une raison, quoi. Bah ouais, pareil. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux Spirou dans cette liste, mais je sais pas pourquoi. Il stream plus, il m'a dit qu'il voulait plus streamer. Bah, moi non plus, puis j'ai FBK, un mec qui était vachement sympa, qui m'avait dit qu'il voulait se lancer. On avait parlé pas un moment pour qu'il fasse ses paramètres et tout. Et... au final, il s'est jamais lancé. C'est ça. Ouais, effectivement, vu comme ça. Ah, bah, c'est dommage pour lui, quand même. Bah, ouais. T'es pas con. Merde, j'ai passé mon tour. Hein. Putain, le connard qui clique partout, tu sais. Théodore Roosevelt a fait la construction des jardins suspendus. Mais ça va, les gars, tranquille, faites les merveilles. Oh, j'ai même. Oh, une merveille. Partout, j'ai pas attaqué une merveille, quoi. J'en suis tellement loin. J'ai attaqué aucune construction. Moi, je suis en train de faire les remparts antiques. J'ai trois barbares qui sont chez moi en train de me piller la gueule. Et moi, je suis là comme ce Spirou, je me plains pas, tu vois. C'est pas grave, c'est la vie. C'est le jeu. Ouais, enfin la vie c'est de la merde quand même, hein. Ouais. Ne sois pas si catégorique quand même. C'est super triste dit comme ça encore une fois. Ouais, mais Spirou il est pas là cet enfoiré de merde, hein. Je voilà. C'est pas triste, il a... Bah si, c'est triste. Il nous a lâchement abandonné. Ouais. Est-ce que du coup mon petit plagiat, t'as vu l'overlay que j'ai fait pour... Ouais, j'ai vu, ouais, t'as pas mal réduit l'écran pour faire un overlay du coup. Bah ouais, pour améliorer la qualité du truc. En fait, c'est ce que je fais toujours, hein, moi.
Je fais deux overlays pour améliorer la qualité. Puis les gens aiment bien les overlays. Je fais pas d'overlay parce que je suis feignant. Hein. C'est non, une bonne raison. Clairement C'est une très bonne raison. Y a pas tu veux que je te l'envoie celui-là? Si tu me l'envoies. Mais parce t'es plus sur ton site l'image. D'overlay là? Celui-là, non, c'est moi qui l'ai fait. Bah, vas-y, donc je l'envoie pas. Non, mais non, mais. En vrai, je l'améliorerai. Si, si, les streams habituels. Les streams où je vois qu'il y a beaucoup, où j'ai pas à me soucier des interactions, ouais, c'est, je fais avec le cheat, comme ça, ça pute. Que là, je mets juste l'actualité, le chat, et le, j'ai pas besoin d'avoir bah, les autres trucs. En fait, ça dépend des jeux, c'est tout. J'ai vu que t'avais un truc. Pourquoi chargement? T'as vu que j'avais un truc? Moi j'en ai plein de trucs. J'ai vu que t'avais un truc pour montrer qui te rehost et. Ouais. Normalement on va y patienter. Qu'est-ce qui nous a fait, Kiora? Kiora! Bah rien, celui-là. Kiora? Kiora! Oui. On t'entend plus! Kiora! Kiora! Les enfoirés, tu sais. Tous les viewers avec leur portable. Qui sont dans leur lit, qui avaient le son à fond, qui t'insultent de tous les noms, Bacchanel. Parce que pas tu grave. Viens de burler dans le micro. De burler? Oui, de burler. Ouais. Ça se dit ça? Si, si, ça se dit. Non, ça se dit pas, mais. Si, si? Ça non, non. Vous êtes vachement burlant comme mec. Vous êtes des cons, surtout. Non, mais tu crois qu'on va te soutenir? Non, mais c'est mort, hein, mec. Hein. Faut arrêter de croire en. Je sais pas quoi, là, mais. C'est plus possible quoi. Faut être raisonnable. Je vous déteste. C'est pas grave. Non, tu nous aimes. Non. On sait que tu nous aimes. Déteste. Mais tu le vis bien. Donc, burler est un verbe. Non, parce que. Intransitif impersonnel du premier groupe en défectif. En parlant de la burle, quand ça burle fort. Non mais le mec il est allé sur Wiki mensonge là. Attends, attends. Alors maintenant. Il a créé un site là. Une page Wikipédia. Maintenant on va rester baignant. Sinon ça va burler. Putain mais ça existe vraiment quoi. Ah oui ça existe vraiment. Je connaissais burlesque mais burler non. Non mais je veux bien avoir l'air con, mais juste l'air, quoi, les gars, s'il vous plaît. Oh. Unité attaquée, un frondeur a été attaqué. Oh, putain, ok. Tac. Un village trou de balle découvert. Ah, là. Hop. Je sens qu'à cette partie, je vais tellement rien faire que ça va être violent. Depuis des parties, on a toujours l'impression d'en rien foutre. Non, je dis pas là, ça parce qu'on a bien fait un cinquième détour du jeu. On a déjà fait 33 tours, j'ai pas évolué de dingue au tas, quoi. Non, mais en plus, je crois que je suis toujours à. Je suis toujours avec des hommes de Néandertal, moi, je crois, les gars. Je vais sortir de mes grottes, là. Et pourtant, vous êtes un peu plus haut que moi, au niveau technologique. Ah bon? T'as l'air classique. Enfin, quasi haut, t'as l'air classique. Bah, Kael, je peux pas voir, je t'ai pas vu encore, je t'ai pas découvert. Non, non plus, je l'ai pas vu. Mais je sais qu'il est à égalité avec moi en termes de points. Ah non, mais vous êtes largement au-dessus de moi hein, en technologie. Moi, je suis à l'ère antique encore. Mais moi aussi, je suis à l'ère antique. Hein. Ah, je sais pas, moi, sur mon truc, vous êtes devant. Mais ouais, mais tu nous as pas découvert. Comment tu peux savoir? Bah, moi, je vois deux points sur ma barre. Oh, les mecs, ils trichent pas dans le d'entrée. Moi, je te vois pas. Hein. C'est marqué Kazoo au Brésil. Je vois que ce que je connais. Je le vois pas non plus. Moi je te vois, air classique, Kazuo, Brésil. Amérique. Air antique, Cora, air antique, Espagne. Mais je te vois pas, Bakel. Putain, mais regarde sur mon live, je te mens pas là, je suis sur le pointeur. Pour moi, t'es inexistant. Voilà. Voilà. Non, mais... voilà, tout de suite. La gratuité de la soirée. Ça pique ça. Tu es inexistant. Ah si, tu es Victoria l'Empire anglais, bah c'est pour ça qu'on vient de se rencontrer. J'existe pas. Connard. Allez.
Oui? Va faire la gueule. Bon, sinon, les Brésiliens, ils comptent bouger ou pas? Ah ouais, c'est ça qu'on attend, là? Toi aussi. Ah, moi, ça me met toi et Brésilien. Ah, on doit encore moi, être deux. Moi, ça marque veuille patienter. Et t'as tout le monde qui est en haut? Donc tu vois, on attend le cura en fait. Peut-être. Bah, on attend l'hébergement quoi. C'est pas une bonne idée que je vous envoie. Ah, ça bouge, ça y est. Ouais, j'ai vu quelque chose bouger chez Washington. C'est ça. Moi, c'est les Espagnols que j'ai vu bouger. Ils sont bien dansés. Ça va. De flamenco. C'est le flamenco. El flamenco. Putain, j'ai réalisé un chef-d'œuvre, merci, c'est cool. Putain, comme ça, toi. Tiens, et ouais, aujourd'hui, j'ai réalisé un chef-d'œuvre. J'ai marché sur un village et j'ai eu un chef-d'œuvre, c'est bizarre. J'ai marché dans un truc là. Ah, mais c'est rien, c'était un chef-d'œuvre. Ça tombe bien, j'avais rien à faire entre 20h et 22h. Je me suis dit, tiens, un petit chef-d'œuvre, ça peut être simple. Ça peut passer. Je me ferais bien connaître partout dans le monde. Je vais faire un chef-d'œuvre. Par contre, vous avez prévu d'arrêter à quelle heure, soir, les gars? 23h minuit, j'avais pensé, vu qu'il y en a qui travaillent. Ouais, pour savoir si ça vaut le coup que j'aille me coucher après ou pas, quoi. Tu travailles 4 heures? Ouais. Mais pourquoi on a fait ça ce soir alors? À la base, parce que il y avait The Spirou qui pouvait. Mais je croyais qu'il pouvait toute la semaine, moi, quand il m'a dit. Bah, et en fait, hier soir, on pouvait pas, parce que Cura, il pouvait pas. C'est ça. Moi, après, je rattaque de nuit samedi, donc ça nous laissait mercredi, jeudi, vendredi. Puis il fallait bien qu'on décide d'une date à un moment, donc on a dit mercredi. D'accord. Oh, mais c'est bien, moi, ça me dérange pas. Hein. Même s'il faut que je dorme pas, c'est pas grave. Hein. Ah, mais... Hop, on a... Moi, j'avais pas l'intention de ne pas te laisser dormir, donc. Ah bah, faut choisir. Hein. Ok. Je voulais pas foutre rien, c'est juste une info. Non, mais voilà quoi! Il est jamais dispo. Le mec, il arrive, le mec qui veut dormir. Non, mais voilà, mais pense à peau aux mecs qui font des lives quoi. Je ne commencerai pas. Pense un peu à la communauté de Twitch. Ils ont envie de pas regarder du Civilization. Ouais, là effectivement, ils ont bien envie de pas regarder de Civilization. C'est quoi? C'est les 0 mecs qui sont en train de vous regarder, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est... Mais quand je vais marquer boobs sur YouTube, plein de gens qui vont venir la voir la vidéo. C'est exactement ça. Oh, mais putain clip. Ah, je suis encore sous le choc, je suis désolé. C'est ta vidéo de Unfair Mario? Ah putain, mais laisse tomber quoi. Putain. Comment ça me déprime? T'en as combien de vues là? 15 000. Ça va. Dis-toi, j'ai les deux tiers, énorme. Les deux tiers des vues de ma chaîne, c'est la vidéo que j'ai fait sur un jeu porno quoi. C'est chaud. Moi je trouve que ça fait peur. Ah, mais moi ça me fait peur, hein, ouais, franchement. Sur un jeu porno, t'as dit? Ouais. Ouais, Unfair Mario, c'est un jeu porno. Ouais. Ah bah attends, je vais aller voir ça après. Si tu veux, il y a l'adresse du jeu en plus dans les commentaires. Impeccable, je vais voir. Histoire d'être sûr. Oh putain, l'Espagne, elle a foutu un colon juste à côté de... Mon colon, il arrive là où je veux arriver, il y a un colon. Espagnol, j'espère qu'il va pas se transformer. Vole-lui. Non, parce qu'il y a un guerrier avec, eux, ils sont intelligents. Est-ce qu'il a crié la Iesta ou... Tes amis. C'est quoi déjà qui gueule dans Resident Evil 4, je me rappelle jamais. C'est ça, c'est à peu près ça. Yes, j'ai pas fait espagnol moi à l'école donc. Bah ça veut rien dire hein. Ah d'accord. Sinon elle crie Leon, help me 25 000 fois dans le jeu. Ça je m'en rappelle. Non, my God. Parce que ah, toutes les fois où je pouvais lui tirer dessus, parce que j'avais sauvegardé juste avant, je le faisais. C'est ça. Parce que ça fait plaisir d'un coup. Tu libères toute la haine que t'as accumulée. Tu laisses sortir le truc, ça va bien.
Et non, pas ce genre de truc, Kazu. Arrête. Help me. Help me. Pourquoi tu m'as remis ça? Putain, j'ai pas joué à Chivalry. No, my lord. No. C'est pas ça fait longtemps, ça fait 15 siècles. Vu que j'avais téléchargé à l'époque. Franchement, ouais. C'est... Pourquoi je suis là, il est vachement bien, c'est un fort honneur bien avant quoi. Oui, je sais, mais. Faut que je le réinstalle et qu'on se refasse une session chez Valérie. Putain, carrément. Qu'est-ce qu'il faut se taper des barres. Juste à se crier Help me. Help me. Oh Vikings win. On se fait une session chez Valérie vendredi soir. Ouais, non mais si, carrément. Je sais pas si je la streamerai, mais dans tous les cas, je suis pas obligé de streamer tout, faut que je joue aussi à côté. Ah hein. Oh bah tu peux streamer, on peut se battre aussi. Hein. Je suis pas sûr d'avoir le... En fait, Skype me prend suffisamment de bande passante, un jeu à image fixe comme Civilization, c'est pas gênant. Mais je pense qu'un jeu comme Chivalry, où les mouvements sont quand même hyper rapides, parce qu'on joue pas comme les pros, en mode, alors attends, la parade, coup droit, crochet... Pointage! Eh hey, merde, je suis mort! Attends, j'arrive! Non, moi c'est plutôt. Je suis un pirate, voici mon flingue! Allez, salut! Je joue vraiment Jack Sparrow, moi en fait. Chivalry, putain, faut que je réinstalle. Ça y est, c'est je suis le genre de mec à approcher vers un archer qui a plus de flèches, avec le flingue braqué sur sa tête, à lui dire une phrase, genre. Souviens-toi du nom de Casio. Je vais tirer, il va se baisser, il y aura un tonneau et on va mourir tous les deux. C'est ça, et tu tirer, ça. C'est à peu près la scène. Ou alors je troll, parce que je cours vite. Ça j'aime bien. Un jeu comme Chivalry, j'aime bien pour ça. C'est quand tu te fais poursuivre par un mec, tu l'amènes dans un combat déjà existant pour que ce soit une grosse marave qui comprenne plus rien. Un grand coup de Danax. Un grand coup de Danax. Ouais, enfin, avec Viking, tu cours pas vite. Mais Non, mais tu fais mal. Mais par contre, tu fais très très mal, ouais. Tu peux l'acheter en plus. Bouclier, c'est assez que ce... le lancer de Danax, c'est génial. Prends-toi une hache de 45 kilos dans la gueule, mon gars. Et du coup, vous avez jamais voulu faire For Honor? Si. Mais non, en fait, il faut payer. Tu vois, on résume bien les choses. Donc non. C'est pas faux. Je comprends. Après, si tu veux me l'offrir, je le ferai volontiers. Hein. Bah, hey, écoute, si je devais l'offrir, déjà, je me l'offrirais à moi. Pour commencer. Non, parce que moi aussi, il m'excite pas mal, mais voilà. Quoi. Surtout que si on fait du test pour Ubi, on prendra Wildland dans un premier... Enfin, moi, je prenais Wildland, en tout cas. Ah bah, c'est sûr. Parce que voilà. Tiens, je t'ai pas dit, mais... Un pote de ma sœur qui bosse là-bas m'a filé trois jeux. Ouais, effectivement, tu m'as pas dit. Hein. Bah, est-ce que je peux te dire un mot qui vient du fond du cœur? Trois fois le même jeu ou... Non, non, non. J'essaye. Trois fois Rayman. Moi, je veux bien Rayman. Six Sièges, The Division et Watch Dogs 2. Ah, du coup, je veux bien... T'as pas donné des jeux, du coup. Moi, je les veux bien si tu les veux pas. Ah, tu sais, je les garde, je te rassure. Watch Dogs 2, il a l'air bien. Rainbow Six Siege, j'aime pas du tout. Et The Division, bah, on sait ce que ça vaut. Bah, du coup, ça mais va m'occuper un peu en attendant Andromeda. Ah, bah, ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, il reste pas longtemps à attendre pour Andromeda. T'auras pas le temps de faire les trois. Une semaine, à peu près. Bah, ouais, du coup, tu peux offrir les autres. Non, non. Un streamer sympa. Dont le nom commencerait par un B. Bazuo, je connais pas. Je connais pas Bazuo. Non mais attends. Je peux t'en couper hein, si tu veux effectivement. Non mais je les piquerai à Kazu. Il va les acheter. Tout. D'ailleurs, Yora, t'as pas des jeux à moi? Non, moi j'ai un jeu. T'as pas mais t'as pas Dead Space? Ah non, c'est pas moi. Ça. Regardez ma collection, je ne trouvais pas. Attends, j'ai Lara Croft. Ouais. Mon boss du Wardor. Ouais. C'est tout, je crois. D'accord, je trouve plus mes Dead Space en fait. Le 1 en fait, j'ai mon 2 et mon 3, mais je trouve plus mon 1. Je ne crois pas à la...
Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai ton Assassin's Creed Syndicate, mais je te le rendrai quand Emilie elle me rendra mon Final Fantasy X Collector. Enfin, le remake, là, la version HD. Ah bon, là, ça? J'ai jamais vu le jeu. Ça me ferait chier que tu me dises ça. Je regarderai quand même pour les Dead Space. Bah, s'il te plaît. Mais ton Final Fantasy... C'est le 10 refait, là. Ce qu'ils sont sortis... Ouais, j'ai beau exposer tous les jeux qu'on a en collection, même les prêter... Ah non, mais je vais tuer Emily si elle me le retrouve pas. Tu te rends compte, quand même? Bah ouais, je t'autorise. Pour le coup... Non, c'est bizarre, parce que je vois pas... Après, elle l'a peut-être mis quelque part, ou je ne sais pas. T'es en train de me faire peur. Bah oui, je sais, c'est le but. Demain, je vais la harceler par texto. Le mec raisonnable. Encore, oui, c'est raisonnable, sinon je t'aurais bien vu débarquer là-bas. Non, je peux pas, je travaille. Tu peux, elle est pas là toute la journée. Je peux pas, je bosse. Sinon, j'aurais été capable. Je peux pas, j'ai aquaponais. Putain, je l'ai sorti celle-là. Putain, mais les gens s'intéressent vraiment plus à la civilisation 6, c'est devenu si triste que ça? Oh, bah, c'est une communauté assez restreinte, hein, les chiffres quand même. Hein. C'est pas faux. Quand je vois le nombre de gens tous les soirs que j'ai pour Horizon. Oui, mais voilà, c'est Horizon, c'est un jeu qui vient de sortir. C'est... T'as plein d'engouement derrière. Si, puis il y a beaucoup de pubs. Hein. T'as encore beaucoup de pubs pour Civilization. Hein. Pas pour Civilization, pour Horizon, je veux dire. Le jeu est sorti il y a pas longtemps, donc. Ouais, tout à fait. Bah, j'en ai beaucoup qui viennent et qui me disent qu'ils savent pas s'ils vont l'acheter et tout ça. Et donc, ouais, voilà. Je leur vends le jeu et ils l'achètent. Mais. Du coup, ils reviennent plus. Sur en général, ceux qui viennent et qui discutent et qui sont satisfaits, ils s'abonnent. Non, mais derrière, en une semaine, je suis passé de 41 à 52, donc c'est pas mal, je trouve. Bah oui. Ça va. Très content. C'est pas fast, après, pas s'inquiéter. Après, il y a le fait aussi que je le joue en très difficile, qui attire les gens. Et du coup, il est très difficile. Du coup, je me fais tout shot si je fais des erreurs. Ah. Pourtant, je suis au niveau max. Du coup, tu fais plein d'erreurs. Non. Ça va, c'est assez raisonnable. Hier soir, sur la fin de mon live, j'ai tué un oiseau géant et un tiag géant, pour dire sans dire. Et bah, ça s'est très bien passé. Alors que c'est deux créatures presque plus fortes du jeu. J'étais assez satisfait. Ce qui importe. Oui. On a des tubes, on n'est pas des proies. Et on a tout ce qu'il vous faut. Des chips. Des chips. Ah, on fait mal, hein. J'ai pas de chips. Bon, pas de chips. Si, j'ai des chips, mais elles sont en bas. J'ai plus rien à manger chez moi. Ça fait deux semaines que je me dis qu'il faut que je fasse des courses, faut que je fasse des courses. À force d'acheter juste la pointe, j'ai plus rien du tout. Et... Voilà, c'est tout. C'était Bacal Live. C'était Bacal Live. Si quelqu'un veut aller faire mes courses, ce serait cool. Si quelqu'un veut me donner des sous pour me faire à manger. Faites des dons, s'il vous plaît, pour que je puisse manger. Le streamer en papier. le pire appel de dons de l'univers, s'il vous plaît, j'ai un enfant, donnez-moi à manger. Je vais faire un carton en bas du stream. Comment ça? Heureusement qu'on rigole. Ah bah. C'est pour dire qu'il y a tellement d'animations dans notre chat. En même temps, c'est de notre faute, hein. On a qu'à être des streamers connus et reconnus. On a qu'à streamer des jeux populaires. Aussi, ouais. Bon, moi, faut que je fasse des unités de combat. Ça va plus. Alors, genre un char lourd, ouais, c'est pas mal ça.
Putain, t'as déjà des chars lourds. Ah non, je vais attendre un peu, je préfère mon unité spéciale. Archer monté Saka. Il y en a plusieurs qui ont des archers montés. 25 à distance. Pas mal. Il faut beaucoup d'or par contre. Ah, je vais peut-être pas pouvoir attendre parce que là la guerre elle est maintenant. C'est la guerre déjà chez toi ? Bah en fait, y a des... putain, je suis toujours attaqué par les barbares. Ouais, merde. C'est pillé dans tous les sens. Ils m'ont un peu laissé tranquille les barbares. Non, après, je vais attaquer les Américains maintenant. Bah moi j'ai réussi à tenir les barbares à distance. Mais... Ma capitale, je sais pas si tu l'as vu. Non, parce que je suis parti vers l'ouest après. Ouais, je veux pas dire, mais c'est la deuxième partie qu'on fait en live et j'ai l'impression que tu vas encore demander l'aide à Kiora. Quoi. Voilà, quoi. Qui ça ? Toi. Mais j'ai jamais fait. Si, la dernière fois déjà. Ouais, sauf qu'il l'a pas fait. Ouais. Ah, tu étais un peu à l'autre bout de la map, hein. J'ai essayé. Voilà, donc du coup, je t'ai pas demandé de l'aide. Si. Bah non. Si. Bah non, mais voilà. Si, mais c'est tout. Hein. Non, mais je t'ai encore peur que son armée elle te roule dessus, c'est tout. Voilà, j'ai bien compris que vous jouiez encore en couple. Voilà. Encore en haut. Attends, vous. Pas déconner non plus. Ah, oh putain, le char lourd, ça dépote. Par contre, c'est un truc de corps à corps, le char lourd. Ouais. Ah ouais. C'est pas les archers montés. J'ai confondu aussi, je te rassure. Oh, ça reste c'est bien. Cool, du coup. Ça reste bien puissant quand même. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu fous avec tes guerriers à côté de chez moi ? Rien. Qui ça ? Bah toi. Je sais pas où sont mes guerriers, sont en exploration. Et pourquoi c'est Kiora qui me répond alors que je parlais avec Kazuo ? Parce que peut-être que t'as pas vu ses guerriers. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est Bristol, ta ville ? Ouais. Bah, c'est bien. Je l'ai même pas rencontré. Ah, si ! Au pire, si, visiblement, on s'est croisé. Ah ouais ? Ouais, après, il y a les éclaireurs. Je savais même pas qu'on s'était croisé. Il y a même pas eu. Ouais. Pourtant, je lis plus ou moins les messages, mais... Ah oui, Bakel, on est à peu près au même endroit en technologie. T'as vu ? On est aussi mauvais à l'info, tu sais. C'est génial. C'est génial, on est tous les deux dépouilleux. Ouais. Le premier, c'est le Brésil et l'Amérique. Ça me trouve plus. C'est pas grave. Non, mais l'Américain, déjà, il devrait pas tarder à perdre une ville. D'ici une vingtaine de tours, ça devrait être fait. Et Washington ? Non, la Nouvelle-Orléans. Ah. Washington est vachement proche de chez moi, je pense que... Après, je vais descendre. Donc, normalement, si tout va bien... Et je n'ai besoin que d'un bateau. Si tout va bien, tu tomberas sur ma ville qui s'appellera Washington. Elle est à toi ? Non, elle va l'être, justement. Théodore, vous avez envoyé un message. Je m'arrêterai avant. Et il est sympa, il me dit « Merci d'avoir maintenu la paix sur le continent, et bravo !» Derrière, mon gars. Il m'avait dit ça aussi. Puis après, il est mort. J'entends pas. J'attends de faire encore une unité, puis je vais commencer à attaquer. Moi, je vais attendre que tu attaques, et puis je vais attaquer. Comme ça, il y aura toutes les armées au nord. Bah justement, tu peux pas faire l'inverse. J'ai encore trouvé une merveille, tiens. Crater Lake. Bakel a déclaré la guerre à Pierre II du Brésil. Ah non, c'est LE Bakel a déclaré la guerre, pardon. LE Bakel. Exactement, LE Bakel. Respecte LE Bakel. Il y a le docteur et il y a le Bakel. C'est ça. La la la. Après moi, si vous voulez jouer jusqu'à tard, ça me dérange pas du tout. Hein. Je me lève aussi à 7h demain matin, mais... Enfin, aussi. Je me lève à 7h demain matin, ça me dérange pas. Non, moi j'ai toujours été comme ça.
Non, mais moi je jouerai tant qu'on joue. Hein. Après, si vous voulez coucher tard, on te couche tard. Si on veut se coucher tôt, on se couche tôt. Ça dépendra Ah, aussi dans choisir, quel je état préfère on est. dormir. Quoi? Ah, bah va te coucher! C'est pas Mais non, gentil! mais t'as reculé! C'est vrai que tout de suite, je vous dis à choisir entre jouer avec vous et dormir. J'avoue que les gars, vous êtes pas cool quoi! Mais non, tu vois, tu m'écoutes pas. Je te dis, à 23h30, ça me va. 23h30, c'est bien. Tu vois, tu m'écoutes pas. Tout de suite, on change de discours, hein. Ouais. Je streamerai autre chose derrière, c'est pas grave. Non, en même Je temps, on peut pas partirai. tous être en vacances, hein. Voilà, t'es marrant. Ah non, c'est tout. T'en travailles pas tous comme fonctionnaires, hein. Là, ils ont un vrai Ouais, métier. grave, hein. Putain, les C'est vrai. fonctionnaires, hein. Qui est fonctionnaire et qui est en vacances ici? Non, parce que ça m'intéresse. Hein. Ben en vacances, si, il y en a un, je crois. Vacances forcées, ça marche, hein, je suis désolé. La Non, vacance. aujourd'hui et demain, je suis en repos, je suis désolé. Le Ah, relou! Ah, le ah. relou! Je vais faire des bâtisseurs, tiens. Les bâtisseurs. Délégation diplomatique en attente. Pourquoi Roosevelt m'envoie une délégation? Il est gentil. Mignon. Dans Nos nos poches. poches. La dépense à coûte cher. Spirou host mon stream avec un viewer. Je le tue maintenant ou j'attends? Non, mais maintenant. Au moins, c'est fait, tu vois. L'homme qui demandait une partie et qui ne venait pas à cette partie. Et vous avez envoyé un message ou toujours rien? Toujours Ah non, non, on n'a pas de nouvelles de lui, hein. rien. Peut-être qu'il pensait que c'était demain, mais pas aujourd'hui. Non, je pense pas. Mercredi, c'est assez précis, je trouve, comme que. Ah, il a peut-être pensé à mercredi prochain, hein? Il manque une personne, non? Salut The Spirou, t'étais où jusque-là? Il vient de me parler sur le live, hein, Parce on qu'il te comprend. parle en plus! Mais non, Espèce en de... plus, t'es trompé! Du coup, il te salue, comme tu vois, comme tu le mérites. On t'a attendu jusqu'à Ah. 21h10. On était là à 20h30. C'est quoi ton Quel excuse? On est. enfoiré! Le mec est venu Quand me tu m'as dit! harceler en plein live pour qu'on joue à Civilization, quoi. Casio, oui. C'est mon nom, c'est effectivement mon pseudo. C'est pas mon prénom, malheureusement. Toi, t'es japonais, tu Je viens de me réveiller. Oh, le mec! Tu m'as pas parlé sur Steam tout à l'heure vers 20h? En tout cas, moi j'ai vu le message vers 20h et je crois que j'avais pas ouvert Steam avant. Ils sont Donc tu endormis me dans dis le que PC. je jouais sans toi pendant que j'étais en train de programmer mon stream. Je viens de voir le message de Bakel sur M Mensongère. Mensongère, mensongère. Sur Facebook. Non, non, mensongère. Je sais pas c'est quoi. Mais si j'y suis Comment? inscrit, je suis désolé. C'est quand tu racontes des mensonges sur Messenger, c'est mensongère. C'est mensonger. Promotion d'unité disponible. Bien, attaquons. Donc nous, ce qu'on a retenu de Spirou, c'est que tu nous as demandé un live et que tu n'es pas dessus. Je t'avoue, ça nous a un peu troué le cul. Et que j'en avais déjà un, donc on n'avait pas besoin d'un deuxième. C'est ça, ouais. J'ai pas tellement apprécié, hein. Sais pas. Je viens de me réveiller. Le Mec, il se mec. réveille à 22h20. Mais The Spirou, Une mais. excuse en carton. Tu te rends compte le nombre de viewers que tu nous as fait rater? De toi, les streams ils sont dégueulasses en plus, hein, parce qu'on a commencé après une demi-heure à t'insulter comme des porcs. Je t'ai envoyé un message sur Steam vers 17-18h. J'étais pas chez moi de 17 à 18h. Je suis rentré vers 18h30. Puis je suis allé play sur Zelda, sur la DS. Ah bah en Aucune attendant, excuse. tu Non mais savais que t'avais un rendez-vous à 21h et t'as pas mis le réveil. c'est ses excuses ça. Aucune excuse.
tu nous as déçu, ce Spirou. Tu seras flagellé pour ça. Tu seras flagellé. À coup de flageolet. Tu vas être obligé de manger des flageolets pendant 2 semaines. Tu te rends compte? Je vais aller voir s'il y a de la communauté sur Civilization sur Twitch actuellement. Jeu, c'est la meilleure Civilization 6. Chaîne en direct. Alors montre-moi. Il n'y a personne. Ah si. Ah. Il y a Bacal pour 3 spectateurs. Oh, quand même. Ah bon? Ah, tu critiques mon petit Bacal. Et il n'y a personne qui me parle. Oui, mais il y a des gens sur ton live. Et je le vois pas, j'ai fait. Actuellement. J'ai fermé. Et puis il y a Enalo, Game Détente et Blabla Fit Nicea. Lui, il joue pour 2 spectateurs. Quand ça se fait que je voyais pas. Attends, je vais voir si ça se trouve, les 3 spectateurs, c'était bot. Casio, hier, je t'ai pas dit que je serais crevé car j'avais examen de gym. Si, mais de là être crevé jusqu'à 21h, de Spirou. Quand même. Puis tu sais, et hier, en plus, je t'ai bien dit, de toute façon, on se retrouve à 21h sur le live, donc tu savais que t'avais un rendez-vous. Non, mais voilà, il a pas voulu. Voilà. Qu'il arrête de nous inventer des excuses. Il nous aime pas, il nous aime pas. Ici, mon Bacat, tu as des spectateurs. Et d'ailleurs, je me demande s'il y en a. Il y en a un qui était sur mon live tout à l'heure. Je sais pas si c'est un bot ou s'il se déplace. Mais du coup. Et il s'est dit, tiens, je vais aller voir l'autre, il a l'air plus marrant, c'est tout. Non, mais voilà, t'as les nerfs, voilà. Je comprends, il s'est dit, je vais aller voir ceux qui perdent. En général, c'est bien, il se passe plein de combats chez eux et tout ça. Ou alors, il a pas bougé quand on a commencé à parler d'Unfair, non? Ah ouais, c'est ça, c'est les boobs qui l'ont attiré. Les boobs. Ceci dit, The Spirou... J'aurais pas voulu, je serais pas venu parler. Effectivement, si tu n'aurais pas voulu, tu serais pas venu parler. Moi, si j'avais pas voulu, je me serais pas levé ce matin. Oh putain. Si t'étais obligé, t'as un fils. Non, je devais rester couché. Non, et c'est bon. Il s'est démerdé dans son lit. Je pense qu'à force de secouer ses barrières avec ses deux petites mains, il aurait réussi à les casser. Ouais. Il se serait rendormi. Ou ta femme aura réussi à te tuer, quoi. Ça dépend de quel point de vue tu te mets. Ah oui, mais en plus, je suis con. Je me suis levé ce matin, oui. Mais c'était 9h30. Et oui, je suis con, oui. Jusqu'à l'heure, rien de nouveau. Non, mais voilà, parce que du coup, justement, Mimi s'est occupée de Raphaël ce matin. Elle m'a laissé dormir. Oh, elle est gentille. Ouais, trop gentille, je trouve. Mais vous êtes tous des putains de bâtards. Il me faut un jingle que je puisse afficher un audio sur une touche à l'écran que ça marque bâtard. La 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 la. Les enfoirés de merde. Putain, j'avais prévu une stratégie à l'école. Le mec il prévoit des stratégies pour jouer avec nous à Civilization. Genre on a besoin d'une stratégie pour jouer contre nous, quoi. On a tellement un level abusif, je comprends, ça fait flipper. Ça faisait 6 mois que j'avais pas joué, quoi. Voilà le level abusif. Depuis notre dernier live, je l'avais pas lancé le jeu. Si, j'ai joué avec un pote, moi. Mais... Ah voilà, il joue sans nous en plus. Bah, voilà. Je suis pas obligé, vous jouez jamais. On joue tout le temps, mais pas à Civilization. Voilà. Et pas ensemble, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, aussi, ouais. Spirou, il nous jure. Mais non, ça n'empêche, Spirou, t'étais pas là à 21h. En plus, tu savais qu'on streamait le truc. On est déçus. Tu savais qu'on faisait comment? Je voulais défoncer Kyura avec les Albans. Alors sache qu'on on a tous commencé en personnage aléatoire. Donc déjà, ça aurait pas collé. Justement, pour pas avoir de stratégie de départ, pour s'habituer à nos gens. Donc là, on a Kyura qui est avec les Japonais. Donc déjà, tu serais mal barré, parce que les Japonais sont très forts militairement parlant. On a Bakel qui est avec Victoria, l'Empire anglais. Bah ouais, c'est pas qu'elle. On est dans la merde parce que c'est pas qu'elle. Il sait pas jouer. Et moi je joue avec les Sith. Qui ne sont pas ceux de Star Wars. Voilà, parce que c'est écrit S-C-Y-T-H-E. Précisons parce que Kazuo croyait que c'était le cas. T'es en train de passer pour un glandu. Oh là là. Non, ça va. Je non, pense ça va. Pas. Ça va. Je suis pas un vieil alabamien, ok? Je suis pas moi! La partie vous attend, oui, mais j'ai pas fini de déplacer mes troupes, laisse-moi tranquille la partie!
J'aurais pas défoncé Kyoa, j'aurais fait ma vie de mon côté. Oui, effectivement, mais du coup, là, tu pour l'instant, tu feras surtout rien, en fait. Ah là. Je t'aurais roulé dessus, comme avec Gandhi, pareil. J'ai roulé sur Gandhi, la fierté du mec. Et toi, tu fais quoi d'un vie? Moi, j'ai violé Gandhi. Mais Gandhi, il était pacifiste, j'ai violé Gandhi. Mais moi, ce qui est bien, c'est que demain, quand mes collègues de travail vont me demander ce que j'ai fait hier soir, je vais dire, bah, j'ai joué avec Victoria et j'ai attaqué le Brésil. J'ai joué avec Victoria. Ta-la-la-la-la-la. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui demande et je viens pas. C'est exactement ce que t'as pris dans les dents. C'est à peu près ça. Sauf qu'on a dit des gros mots au milieu. Non, non, ils étaient pas si gros que ça. Avec 3-4 lettres dedans, en tout cas, c'est... Tu nous as invités, t'es venu sur nos lives et tout, et on était super déçus. Dans les toujours, tu vois. Parce que n'empêche que t'étais pas là. N'empêche que, voilà. Voilà, c'est... Oh, on va pas te mettre du poids sur le dos, mais t'étais pas là. C'est tout. T'es putain d'enfoiré. C'est pas droit. Bah non, mais... En fait, tout à l'heure, on était tellement vénère, c'est pas parce que maintenant il est là que ça change quelque chose. Je veux dire, il était quand même non, pas non, là. Non, 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 non. Ça change rien, je l'ai toujours traité d'abruti. Hein. Pas de soucis. C'est pas le problème, hein. C'est juste que voilà, on peut être gentil maintenant, hein. On l'a bien insulté pendant une heure, et à un moment, faut savoir se calmer, quoi. Tu nous dis qu'on a vraiment choisi la date la plus merdique, on a demandé à tout le monde les disponibilités, et tu nous as dit que t'étais disponible toute la semaine. T'aurais pu nous dire, écoutez, mercredi, je risque d'être fatigué, on pourrait le faire ça jeudi. Il y aurait pas eu de soucis. Et il y aurait pas eu de soucis non plus. Mais les excuses en carton qu'ils trouvent, oh là là, ça devrait être interdit, ça. J'ai deux viewers, moi, c'est bon, il me dit. Salut à toi, deuxième viewer. Bienvenue sur le live du règlement. Mais arrête de regarder ton live, Casmo, putain. Bah non, je regarde pas mon live. T'as rien d'autre à foutre. Des fois, c'est Bacchael qui regarde mon live. Je le connais tellement. Non, je peux pas. De Spirou, j'avoue. Bon, c'est monsieur Spirou, là, il a allumé le jeu, au moins, là, qui nous parle, là, sur le chat, là. Non, j'ai pas vu l'icône de Steam, The Spirou joue actuellement à... Non, mais des fois, il a encore... C'est bon, je le refuse à ma partie maintenant, c'est bon. Sache, The Spirou, c'est Kyoa qui hoste la partie. Donc tu te démerdes avec Kyoa. Va falloir que tu suces des couilles, hein, si tu veux rentrer dans la partie. Va falloir que tu ailles regarder la vidéo de Mario... Mario is missing. Tu peux tout apprendre sur ma chaîne, y'a pas de soucis. Je suis dans mon lit. Quel rapport? Ouais, donc en plus, il compte même pas venir devant le PC, quoi. Voilà, donc déjà, tu nous dis que tu comptais même pas jouer, finalement. Maintenant. Ah, ah, de toute façon, on t'aurait pas accepté, mais n'empêche que... Par principe, t'aurais pu essayer, quoi. C'est ça. On est déçus. Tu sens la déception. La partie vous attend. Ouais, là, j'avoue, c'est de ma faute. Faut comme d'hab, hein. Ouais, on commence pas, toi. Tapez sur qui sur... Tapez sur Spirou et laissez-moi tranquille. La victime, quoi. J'ai pas eu d'enfance. Bon, écoutez, je l'avais annoncé en début de live, du coup, il est 22h30, faut que j'aille faire pipi. Oh putain. Bon, bah bon pipi. Pense à moi. D'un coup, c'est fou, hein. Putain, qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Bacchael s'est barré, c'est tout. Bacchael s'est barré, d'un coup, le live est super calme. Hyper sérieux. Bon, alors, ma stratégie, bon, en fait, voilà. Fallait me spam. Mais, The Spirou, on t'a que en Messenger, en Skype, tout ça, donc... Et puis, c'était pas nous. Deux spams, fallait assumer. On est là. Ah, porte tes couilles, maintenant. Non, mais voilà, c'est... Personne m'a appelé Skype, j'étais en disponible. C'est totalement faux. Tu devrais avoir 4 appels du groupe de Skype et j'ai plein de témoins. Oui. Il y avait au moins 1 million de viewers à ce moment-là. Et quand on a commencé à t'insulter, ils se sont tous barrés, les méchants.
Exactement. Il y a des méchants. De toute façon, bah oui, les viewers qui étaient là, ah oui, bah oui. Les Spirou qui étaient pas là, ils sont barrés. Et on avait 500 personnes sur le live, ils disaient tous, mais il est où Spirou? Il est où Spirou? En plus, moi j'avais mis sur le titre de mon live, avec The Spirou, quoi. C'est ça. C'est ce qui a fait que les gens ont fui. C'est ça. On va continuer à l'emmerder longtemps parce que là il va nous faire une déprime le Spirou. Hein. De toute façon, tant qu'il ne compte pas rejoindre la partie, on va continuer. Ah d'accord. Après, moi, on va peut-être se barrer parce que s'il était si fatigué que ça, il serait endormi depuis longtemps. Ce vieil alabamien. Du coup, ce Spirou, t'étais pas là pour ça, pour le vieil alabamien. Tu sais même pas de quoi on parle maintenant. C'est vrai que t'as loupé toutes les bonnes blagues du stream, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs... J'ai raté le stream complet. Hein. D'ailleurs, tous les viewers ont raté le stream complet. Faut pas le dire, ça. Ouais, mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit de la faute à Spirou. Si, bah, je suis sûr. Si, on a décidé que tout était de sa faute. D'accord. Non, mais pas de soucis. Tant que c'est décidé à l'avance, je suis le mouvement. Y a pas de soucis. Je vais aller vérifier c'est qui le deuxième, voir si c'est pas Bakel sur mon live. Je suis perturbé. C'est pas moi, je le promets. J'ai pas le temps. En plus, je reviens des pipis. Les bonnes blagues sur moi. Non, non, elles étaient pas du tout sur toi. Et non, bah tu vois, c'est le mec qui te regardait tout à l'heure et qui est repassé sur moi, qui s'appelle... Je suis désolé que de parler de toi comme ça, mais si c'est pas un bot, c'est SkinTraderPL. Et il était sur ton live, enfin au départ il était sur mon live, il est passé sur le tien, il est re de nouveau sur le mien. Ouais, puisqu'il doit faire un peu des deux pour voir comment ça évolue. Ouais, mais du coup ça fait quand même un viewer, donc en fait tu vois, The Spirou, il y a un seul mec qui a toléré que tu sois parti et qui a décidé de toute façon... Même sans Spirou, on regarde quand même. Ah là, la partie elle sera bien, bien intéressante, elle sera toujours en attente de Bakel. Bakel nous fera des temps d'attente alors qu'il n'y a pas de temps de chargement dans Civilisation, je comprends pas pourquoi ils attendent tout le temps. C'est bon, on l'avait payé, mais qu'est-ce qu'on se marre, hein. Parce que t'es payé, toi. Bien sûr que je suis payé, moi. Eh merde, j'ai raté ma vie. Sur partenariat Twitch. T'as réussi à l'avoir, en fait? Non. Mais il m'avait demandé de leur redemander plus tard, donc je vais le faire bientôt. Le cheval est dangereux devant. Je pense qu'en fait, ils vont voir l'évolution de la chaîne, regarder les courbes, les statistiques et tout ça. C'est ça. Du coup, on pourra avoir un pull après. Moi, c'est ce que je veux, ouais. Je veux mon pull. J'ai un pull Twitch, bordel. J'aurais écrit sur Twitter et Facebook, ils m'ont pas répondu. Ah, je t'ai répondu. La question, comment je fais pour avoir un pull Twitch? Ils sont trop beaux, leurs pulls. Moi, je veux la veste avec la fermeture éclair. Oui, bah oui, c'est ce que je voulais dire quand j'avais écrit ça. C'est ce que j'ai écrit derrière. Ah merde, oui, moi aussi, je veux le gilet. Et où un pull, c'est relou. Pourquoi il y avait des gens? Ah oui, il y avait des gens de Spirou, il y avait plein de gens qui disaient « Ah, ce Spirou, il est où? Il arrive quand ?» et tout. Il y avait tout ton fan club. Tout ton fan club. Il a un fan club. Pourquoi il fait pas du stream? Pourquoi il stream pas? Il a streamé, il a fait Tropico avec El Dictator. D'ailleurs, il est 22h44, on devrait pas tarder, peut-être vers 23h. Je vais peut-être avoir un viewer en plus. Ah bon? Ce sera mon modérateur qui m'a dit qu'il arriverait vers 22h. Donc on arrête avant 23h. Bon bah maintenant que t'es là, c'est bon, on arrête. À demain. Allez, merci, bonsoir. En plus, ils s'entendent vachement bien, The Spirou et Planus. Ah ouais? C'est un grand coup de fion sur le chat. C'est assez marrant. Bon, du coup, par contre, ça monopolise le chat et les gens, ils osent pas parler, quoi. Ouais, forcément. Ok,
Casio, vers 17h, j'avais même pas préparé OBS et sur ma chaîne, j'avais mis Civilisation Multi. Tu vois, je vais vérifier ça. Dépêche-toi, je suis vite changer sur ta. Dépêche-toi, ton compte à rebours est lancé. Ah, maintenant j'ai plus qu'un spectateur. Voilà. Maintenant qu'on parle de Spirou, il va plus venir. Les gens disent ah, le voilà, le traître. Ils vont tous arriver pour t'insulter d'ailleurs. Non, moi j'ai pas tout ça. D'ailleurs, t'héberges Bakel à la place de moi, ça c'est pas normal. Moi aussi, talent avant quoi. D'ailleurs, c'est bizarre. Comment ça se fait que l'host il a changé automatiquement? Tu vois, alors que tout à l'heure tu me disais, mais non, ça change pas. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je te donne raison. Moins un pour moi. J'ai toujours raison. Je danse à Cucaracha tout nu en slip. Oui, mais nous aussi, c'est mais possible. C'est pas une raison quoi. On peut streamer en même temps. Hein. Spirou est chez Casio, tous chez Casio. Quoi? Mais elle est trop bas, elle venait pas chez moi, wesh. J'ai rien fait, moi. Dans mon salon, d'un coup. T'as dit que t'avais des chips en même temps. t'as dit que t'avais des chips. Du coup, on est tous là. putain, il faut de l'activité à mort. Bah, je te offre toi, il y a The Spirou 641. Non, moi, quand je suis sur ta chaîne, ça me met back à elle en host. Bah, oui, sur le host en haut, mais après, ça a changé, c'est devenu back à elle. Tu vas voir ça ton live, tu verras. Arrête de faire rage, il a droit de me host. Voilà, je rage, c'est tout. Putain, merde, mais putain, vas-y. Communiste. Quoi? Philippe vous a proposé un marché. Ah, mais cette partie, comme elle est stagnante. Ouais, c'est une horreur. En haut à gauche, oui, c'était au départ, quand j'ai lancé mon live, ça m'a mis ça. Et si tu vois sur ta chaîne, tu regardes, c'est, tu as ce bacal. Mais c'est pas grave, j'ai compris, y a pas de soucis, voilà. Favoritisme, voilà. Tout ça. T'imagines les gens, la détresse qu'ils ont eue quand ils sont venus à 20h30, ils ont dit ah trop bien, il est où The Spirou? Moi je suis resté bloqué là-dessus les gars. En plus quand il y a trop, les gens, quand il y a Spirou en général, il y a Fantasio avec, il y a le professeur je sais plus quoi. Cette blague n'est pas cautionnée par le live de Casio. Non mais genre. Cette blague est faite par un indépendantiste de l'humour. C'était Bakel. C'était Bakel. Vous pouvez me retrouver tous les soirs au phare. Tous les jours au bar du coin. Entre deux demi. Entre deux bières. Voilà, plus de Bakel. T'es un peu radical quand même. Apparemment, il a mis un tueur à gage sur toi. Qui? Hein? Spirou, il me dit voilà, plus de Bakel. Ah merde. C'est méchant. C'est super méchant. Voilà. Tout ça pour te restream toi quoi. Par contre je comprends pas parce que ma nouvelle ville elle s'appelle Newcastle Upon Tyne. C'est sur cette blague. C'est quoi ce que je comprends pas, c'est qu'on est en permanence en veuillez patienter quoi. Ah c'est pas moi hein. Moi j'ai joué. Non mais veuillez patienter c'est le tout qui rame. Oui, bah ça va, hein. C'est bon. J'ai pas eu d'enfance. Hein. En même temps, c'était Spirou qui devait host, hein, et il est pas là. Voilà, exactement. C'est Spirou qui devait host. Oui, vous le saviez pas, mais c'est comme ça. Du coup, il y a que toi, je l'ai supprimé de mon host. Non, mais c'est oh moi, Spirou. Et voilà. Maintenant, il me supprime de ses amis. Quoi. Oh, le favori. Voilà. Tout ce qu'on sait, nous, c'est que t'étais pas là à l'heure dite. Et que t'es pas magicien. Donc du coup, ça marche pas. Il est pas magicien? Je suis déçu. Là, vous avez pas compris la référence. Non, je suis désolé. Un magicien... Un magicien arrive précisément à l'heure prévue. N'est jamais en retard, ni jamais en avance. Il arrive toujours à l'heure prévue. Ouais, mais je comprends toujours. Merci, pas. Dumbledore. Mais non. Comment je te déteste. C'est Gandalf. C'est Gandalf, le gris délavé.
Sinon, Kyora, il fait quoi ton éclaireur avec la moitié de ses vies à côté de chez moi? Bah, il se promène. Pourtant, ah, je Spirou, si je t'ai dit entre 20h et 21h, c'est pas à 22h30 qu'il faut se planter sur le live. Même si tu me dis on m'a pas dit l'heure, tu me dis entre 20h et 21h. Déjà, c'est une fourchette, je t'ai pas donné un râteau, j'aurais pu dire entre 20h et minuit, quoi. Oh, mais des excuses en mousse! Oh là là! De toute façon, il a pas allumé le jeu, donc il peut pas nous rejoindre, donc il a pas à se plaindre. En plus, t'es dans ton lit, quoi. À force de l'emmerder, il va venir, il va se connecter, on va dire, bon, bah nous on arrête. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Du coup, je me suis dit, je fais une petite game sur Zelda. Non, mais voilà. Non, mais pas tout à la fin, c'est non, mais voilà, c'est tout. Je vais allumer la Wii U. Je vais allumer la Wii U en attendant. On est en attente de Bakael. Hein. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? On a l'habitude maintenant. Attends, je vais jouer ailleurs. Vous m'attendez? Je reviens. Bienvenue sur Casio Live. 2h15 de live, 1h15 d'attente de Bakael. C'est ça. C'est tellement ça en plus. Excusez-moi, je suis en guerre moi. Le mec, il est en guerre quoi. Ça fait 15 tours que je suis en guerre. On a même pas encore créé Jésus-Christ, il est en guerre. Bon, du coup, il dit plus rien. Bon, du coup, il a dit ok. Il est vexé. La quête, il a la quête à l'heure. Voilà, c'est nous, exactement. Notre orgueil, là. Notre putain de fucking orgueil. Londres. Quoi comme ressource, ça? Mais je fais tellement rien, ça fait 10 tours que je fais que passer. Je ne fais que passer. Ça fait 10 tours que je ne fais que passer. Salut, c'est Kyora. Salut, c'est Kyora. Salut, c'est Kyora. Moi, ça fait à peu près 5 tours que je fais que de réparer ce que les pillards, ce qu'ils m'ont pillé. C'est trop dégueu comme partie, quoi. C'est bien aussi. Faut de l'activité. Putain de bordel, j'ai toujours pas d'activité. Ah, mais j'ai des chevaux, moi. Ah ouais. Sympa. En attente de... Bakael. Attendez. Je viens juste de finir de déplacer mes troupes. Alors arrêtez de me casser les couilles, hein. Remarquez, et franchement, si vous êtes sur mon live, allez voir le live de Bakael, apparemment il se passe carrément plus de trucs. En même temps, c'est pas de ma faute, et vous avez qu'à rentrer en guerre, les gars. Et alors, tu joues à quoi comme jeu? Civilization, c'est un jeu stratégie, tu gères la géopolitique, le gouvernement, tu crées tes villes, continents et tout. Et t'as fait quoi hier? Bah, j'ai fait la guerre, mon gars. J'ai joué à Civilization en mode Age of Empire, quoi. En même temps, j'ai jamais joué autrement, donc. C'est pas aujourd'hui qu'on va me le reprocher, hein. Les gens incapables de trouver du temps pour. Oui, je peux même pas rentrer en guerre, moi, contre Roosevelt. Bon, je vous laisse, je vais faire une game avec un pote sur Civilization. Quel gros bâtard! Oh putain! Ce Spirou, tu es officiellement détesté pour cette soirée. Que pour cette soirée, merde. Ouais, je peux faire qu'à petite dose, moi. Je pardonne assez vite ce genre de truc. Merde. Je suis déçu. Ah, pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre à ce fils de pute, là? C'est chiant. Ah, ce Spirou, parce qu'il est pas là, tu peux pas... Non, tout de suite. Et puis on a dit qu'on parlait pas des mamans, hein, alors tu vas te calmer tout de suite, hein. Si, on a dit qu'on parlait des mamans, mais pas de celles qu'on connaît. Ah, mais je connais Spirou. Je connais pas sa maman. Le mec va être compliqué. Non, non, on parle pas des mamans. Ça, c'est sûr. Je parlais juste de Théodore, moi, c'est tout. Mais oui, on sait, on a déformé, ça va. Théodore aussi, il a une maman. Toute votre communauté de un viewer qui va m'en vouloir. Tout le bâtard. Non, mais on est des streamers connus, hein. On fait que 6 à 8 heures de live par semaine.
on a des dizaines de vues par semaine. C'est pas mal. C'est tellement vrai. Et du coup, Spirou, il me dit, on organise une autre game quand je propose le 6 mai à 20h. Oui, mon gars. T'es quoi? Attends-nous le 6 mai à 20h. On sera là, pas de soucis. Le mec, il veut qu'on arrête la guerre et il veut pas me donner d'unité. Il est fou. Bah arrête là ta guerre, fais-nous gagner. Mais non, à la foutre, moi. Ouais, c'est bon, passe. J'avais une bonne connexion, j'aurais lancé Cross Maga en même temps. Quoi. J'aurais fait un double stream. Il a l'air sympa. Hein. Tu peux jouer sur ton téléphone. Il a l'air sympa. C'est vrai, mais le but, ils ont des, genre, ils ont Cross des... Maga, moi je m'amuse bien. Moi. Ils ont des skins d'elfes sympas sur les cartes. Pardon? Il y a des gens avec des longues oreilles. Tu connais pas Cross Maga? Non. Tu sais que c'est l'univers de Dofus? Ouais, mais je connais pas l'univers de Dofus non plus. Ah, tu connais pas l'univers de Dofus? Non. Enfin, je l'ai connu au début du jeu. Mais comme t'as trop de chance. Mais tu vivais sur quelle planète? Non, mais moi, je veux ne pas connaître Dofus, quoi. J'ai connu Dofus, il y avait 5 millions de personnes dans la zone de départ. Je l'ai connu au lancement des serveurs. Ah ouais, donc il y avait deux personnes, parce qu'au au départ il y avait personne sur Dofus, c'était ouf. Ah si si, putain, laisse tomber. Bah, je sais que nous on était... Remarque... Ouais, attends, j'avais quel âge? C'est vieux. Oui, je jouais sur un 56. Putain, ouais. Ouais, c'est ça, 56. Pacael, avant Jésus, sa civilisation va disparaître. Oh, mais direct, c'est annoncé. c'est ce que Spirou a dit dans le live. Sympa. Détruit par les Brésiliens. C'est pas près d'arriver. Ils vont venir danser dans ta base. Les mecs, ils vont arriver en disant « Et on va danser la samba, la samba !» Et là, je vais les défoncer, c'est tout. Y'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein. Putain, c'était grave bien sur le stream d'avant-hier, quand on a fait les 50 followers. Du coup, il y avait Planus qui modérait. Et du coup, j'ai activé le Strong Request sur mon live. Ouais. Et donc, du coup, il a mis « On fait tourner les serviettes !» C'était putain de bien. Quel con. On s'est bien marré sur cette action. Enfin, moi j'ai rigolé, je pense que aussi. Mais du coup, ça va couper le son de la vidéo, donc j'espère que tu l'as exporté rapidement. En fait, ça le coupe pas sur Twitch, ça le coupe que sur YouTube. Non, sur Twitch en général. Non. Bah, le son request est géré par Twitch en fait. Donc c'est une banque de sons légale de Twitch. C'est le Wisebot qui fait ça et c'est bien pratique. Parce qu'ils sont bien relous pour ça. Hein. Et ils te coupent, effectivement, je veux dire. Non, ça n'a pas été enlevé, mais par contre, le sur YouTube, ouais, ils m'ont dit qu'ils allaient la monétiser, donc je l'ai supprimé. Moi, je ne veux pas qu'on fasse de l'argent sur mon. Ouais, je m'en fous. Non, je refuse de donner de l'argent à Patrick Sébastien. Je m'en fous. Bizarrement. t'as écouté sa musique, voilà. Et c'était la première fois que je l'entendais réellement, la chanson complète. Je sais pas, j'ai jamais écouté. Bah, tu vois, et du coup, ça, tu l'as trouvé bien. Et du coup, c'est génial. Du coup, j'ai acheté l'album. Je l'écoute dans la voiture pour aller promener Raphaël. Ouais, les gars. Et t'as pas l'impression d'avoir raté ta vie? Si, tous les jours quand je me lève. Et toi, à quoi tu joues? À New York. Pas faux. Enfin, la civilisation surtout. Non, mais c'est parce que généralement, il y avait Spirou, donc ça me faisait plaisir. C'est Gilbert Montagnier. Non, effectivement, c'est pas Gilbert Montagnier. Mais j'aime beaucoup l'orthographe de Montagnier. Je suis pas sûr que c'est écrit comme ça. Montagne avec un R à la fin. Parce que tu vois, à l'époque, quand on devait faire ce live, moi je suis venu juste pour Spirou. Hein. À l'époque, quand on devait faire ce live, moi je suis venu juste pour Spirou. Parce que moi, Spirou, il est venu jusqu'à sur mon live pour me dire « Ouais, on va faire du civilisation, on va se marrer. » Ouais, pareil, moi aussi, ouais. Il est venu en me harcelant, je lui ai dit « Ouais, pas de soucis, c'est quand tu veux. » Il m'a dit « Ouais, je suis libre toute la semaine. Voilà. » On va se faire des bisous, ça va être grave bien. Ah non, il m'a pas dit ça. Je pense que ça m'aurait fait reculer. Ah, c'est qu'à moi? Inquiète, je suis désolé. Alors, je suis un chanceux. Ah bah c'est cool.
Ah bah d'accord. Non mais ouais, il est venu nous chercher, nous enlever de nos petits jeux. C'est ça. En cours. On jouait à des jeux de merde et voilà. D'ailleurs, j'étais sur un petit jeu sur navigateur, moi. Jamais j'avais joué à un jeu aussi important que Civilization. Enfin, n'empêche qu'il y a des putains de gros civilisations. Ouais. Putain, laisse tomber, quoi. Un petit jeu, on a déjà fait mieux, quoi. Je joue à Elvenar. Elvenar Online. Ouais, c'est un jeu de gestion en ligne. Tu sais, c'est un jeu où... Genre, allez, tu dois récolter du bois. Lance à la scierie la production du bois. Reviens dans 25 minutes, récupérer ton bois. C'est pas Eve Online? Non, c'est Elvenar. Eve Online, c'est un vrai jeu en ligne. Oui, ouais. Et moi, c'est un... Elvenar, c'est pas les pubs qu'il y a sur les sites de cul, ça? C'est le browser, justement? Non. Non, du coup, qui aura envie encore de nous parler de Brazzer? Donc, un stream sponsorisé par Brazzer. Vas-y, parle-nous de Brazzer, qui aura. Je sens que t'en as envie. Ça a l'air important pour toi. Je suis obligé, c'est dans mon contrat. Là. Ah ouais, vas-y. C'est dans mon contrat, Brazzer. On va te laisser un peu d'espace sur le stream. Je crois que c'est interdit par la politique Twitch de montrer sa bite. Mais après, non, bon. Mais... Non mais ma bite, mon casque de son. Ah oui. Là, voilà. Ça va, non? On regarde pas avec cet air de chat. Ah bah si, t'es obligé. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi ton pote, il peut pas jouer avec toi non plus? Il s'est endormi. Il t'a dit oui, j'arrive et il allait se coucher. Vous auriez pu m'attendre. Oui, non, bien sûr. Alors là, tu te fous de notre gueule. J'ai attendu jusqu'à 22h30. The Spirou réfléchit 2 secondes. Mais même une. On allait pas faire un live où on t'insultait pendant 2 heures, quoi. Spirou, tu habiterais pas aussi loin. J'aurais coupé le jeu, j'aurais pris la bagnole et je serais venu péter une tarte. Ah, il se rend compte ou pas qu'on a, passé une demi-heure à l'attendre? Ah, tu sais quoi, je vais faire une VOD. Je vais l'appeler l'attente de Spirou. Même plus, on l'a attendu 40 minutes. Oui. Déjà sur les 2h25 de live, il y a 40 minutes où on n'a rien fait du tout. À part les de la merde. Ouais, youpi, tralala. Tu peux arrêter de m'envoyer des tweets où tu me dis que t'es en train de jouer, je sais, je suis avec toi. Qui ça, moi? Oui. Putain, ça veut dire que ça doit déco reco sur le stream. Vous avez rechargé apparemment. Ah ouais, en effet. Ouais, ça m'a relancé le chargement. Ouais, c'est bon. Ça se trouve, je vais avoir 15 vidéos de 20 minutes dans mon truc, diffusion précédente. Non, j'ai rien. Bah, mais c'est pour être connu, je suis obligé de surcharger Twitter. Bah, vous auriez pu parler de politique, je sais pas. Non, d'ailleurs, j'ai pas encore mis les règles du chat. Moi, je vais prohiber la politique et des trucs comme ça parce que c'est putain de chiant. Très bien. Ça évite qu'il y ait des gros soucis, des gros conflits. Ouais, c'est des trucs que je veux pas sur le live. Moi, j'ai mis une politique sur mon live, on a le droit de parler que de cul. du coup, Kira a son palier de bord. Du coup, Kira, il s'est abonné direct. Faut que je vienne plus souvent sur ta live alors, Baka. Non, moi ça m'a rien sur Twitter. Mais oui, connard, c'est toi-même qui compte. Tu t'envoies pas des tweets, non. Tu te pas à toi-même. Allez sur mon Twitter. 1573 in-game. Je suis en live. 1, 2, 3, 4. Y'en a d'autres? Ah, ça, y'en a que 4. Ah! En plus, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, y'en a qu'un. Tous les autres, c'est sur Horizon Zero Dawn. C'était hier, et avant-hier, et avant-avant-hier, et avant-avant-hier. Et puis après, moi, ça retweet tous les 2 heures. C'est un logiciel automatique qui fait ça, que j'ai mis. Ceci dit, maintenant, j'ai 76 ans. Un bot sur Twitter, quoi. Non, c'est mon Wisebot qui gère mon Twitter. Parce
que je vais pas me faire chier avec les réseaux sociaux. J'adore ça. Oui, moi donc. Ah, mais n'empêche que mine de rien, maintenant j'ai 76 abonnés sur Twitter. Ça va. Bah ouais. Et sur Instagram, sur Instagram, c'est génial. J'ai 50 abonnés. Et si tu vas aller voir, en fait, c'est que tu sais, des trucs genre. Des trucs de cul, en fait. Non, mais. Ça, c'est genre des gens que je connais pas du tout, mais quand tu vas sur le profil, ça met j'aime le cul et tout ça. Et bonsoir Planus, bienvenue sur le live. On était en train de. Direct, tu dis j'aime le cul, il y a Planus qui arrive. Allez, t'es parti. Mais Planus aime le cul, tout le monde aime le cul. Bienvenue sur le live de... en attente de Bakel, veuillez patienter. C'est pas vrai, j'ai appuyé. Alors là, j'ai la VOD pour la tester. Que tu es un menteur, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà appuyé depuis 15 secondes. Mettra dans la VOD tous les 15 secondes accumulés pour la pour voir combien de temps ça fera. Les 15 secondes qu'il a appuyé, putain, il y a un kiff, hein. Ah, mais j'ai appuyé, hein. D'ailleurs, notre viewer qui fait des allers-retours pourra te le dire. Je pense que c'est un bot, il y a des bots. En attente d'un homme qui parle dans un pot de yaourt relié à un fil. Ouh. Oh. Putain, il faut vraiment que je mette une macro pour faire le pa pa pa. Sinon, je peux lui dire ou pas? J'ai droit au gros mot sur ton chat, je me rappelle plus. Ouais, t'as le droit. Connard. C'est canard. Et voilà. Bienvenue sur Casio Live, ce soir nous apprenons un peu de vocabulaire avec connard. Allons voir sur Wikipédia la définition de connard pendant que ça change. Alors, on va apprendre un mot, c'est burlé, bande de connards. Planus challenge accepted. Non, non, fais pas le con, mon gars. Me mets pas plein de gros mots dans le chat. Connard, définition imbécile. Merci. Merci. Ah, quel rapport. Connard va lire ailleurs. C'est ça. C'est très simple, effectivement. C'était la définition du soir. Merci d'être passé. Il y a déjà eu burlet tout à l'heure. Vous me croyez pas. Voilà. Et on te croit toujours pas. Hein. On te croit toujours pas, on sait que t'as créé une page Wikipédia juste pour ça, quoi. C'est pas parce que tu crées une page Wikipédia qu'on va te croire, mon gars. Mon gars. Ah, si je faisais un complexe de loisirs pour l'activité, mais t'es un putain de génie, mon gars. Complexe de loisirs, combien de tours? 9. Oh, c'est long. Comme. Je mon bras. J'ai le bras long. Oh. Et j'ai pas regardé en termes de score, je suis à la ramasse complète, hein. Non, c'est moi. Ah, je suis en tête sur la victoire scientifique. Putain. Vous avez vu, moi, c'est un petit cerf. Anarchias a follow, elle a perdu la tête. Eh, merci à toi, Anarchias, pour ton follow. Bienvenue dans mon monde. Y'a quelqu'un, les gens. Un viewer, ouais. Un viewer, mon 53ème. Viewer. C'est un viewer et il vient de me follow. Ouais, donc c'est ton 53ème follower. Ah oui, c'est mon 50. Oh, pardon. Non, 53ème viewer. Nous sommes actuellement 53 sur le live, mais 53 muet. Les gens n'ont pas de doigts et donc ils ne sont pas sur le clavier. Ils ont pas de doigts, donc ils sont muets. Voilà. Quoi, ça passe. Ils ont pas de doigts, ils ont le droit d'être muets. Pourquoi les muets devraient forcément avoir des droits Merde, d'ailleurs. Hein, voilà. Hein. Arrête de burler. Hein. Non, tu vas pas me burler comme ça. Et du coup, ils nous saluent, et on le salue, les amis. Et bonsoir à toi, bienvenue parmi nous. Bienvenue sur le live. Plus que 947 pour arriver à 1000. Je te remercie, Planus. Non, là on est en route pour les 100. Je me suis pas trompé dans ma frappe quand j'ai mis le titre du live au moins. Plus que 1947 pour 2000. On est en route pour les 100 followers. On les aura avant. Demain. Non, t'es con. Avant 2022. Non, j'aimerais bien les avoir avant cet été en fait. Moi j'essaie de préparer une vidéo pour les 200 followers. C'est ça, moi aussi. En fait, à partir des 100 followers, je vais commencer les giveaways. Et du coup, à partir de là, ça devrait aller mieux.
on the road to 1 million. Ouais, c'est ça. Effectivement, un jour, j'aimerais bien avoir 1 million. Putain, t'imagines ? Plus que la chaîne de celui dont je ne dirai pas le nom. Parce que ça va saouler qu'il fasse une chaîne. Voilà. Mm-hmm. Je sais pas ce qu'il dit. Non, je suis obligé de dire, c'est ça ? Vous voyez pas de qui je parle ? Non, je suis désolé. De la chaîne, la chaîne Le Stream, ça vous parle ou pas ? La chaîne qui a actuellement le plus haut taux d'abonnement et qui est sortie mercredi dernier ? Non. C'est la chaîne de Squeezie ? Oh merde ! Il s'est mis sur Twitch, il a embauché Cyprien, Gotaga, Jiraya, plein de joueurs pro en gros. Il y a aussi son pote Mikalo qui est dessus. Putain, je fais de la pub pour... merde ouais. Donc ils doivent être un million. Donc ouais, ils ont lancé la chaîne, elle avait déjà dépassé même la chaîne de Gotaga. Donc c'est pour ça que je pense que Gotaga, il le savait, qu'il les a rejoints sur le stream. Ah, la tristesse du truc. Ouais, hein, ils ont un peu baisé le game sur cette action. Ouais, mais... Enfin, comme j'ai lancé une relation sérieuse d'un coup. Une relation sérieuse, c'est une conversation. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, enfin, je trouve ça dommage que des gens qui sont entre guillemets les leaders du YouTube game, eh ben ils décident de niquer les autres plateformes. Après c'est normal, eux ce qu'ils voient c'est la notoriété plus. Cyprien, je crois qu'il il fait partie de le stream, même si c'est pas joué. Mais ça c'est gratuit aussi. Ah non mais c'est pas joué aux jeux vidéo, Cyprien. Et c'est oui, pour ça qu'il a fait Cyprien là... Gaming avec Squeezie. Oui. Squeezie non plus. Donc quel intérêt ? C'est pas méchant, voilà, c'est. J'ai jamais dit que je savais jouer aux jeux vidéo. Ce que je veux dire, quand on regarde Gotaga en live, c'est parce qu'il sait jouer. Oui, bah oui. Que les gens qui viennent nous voir, normalement, c'est pour passer des bons moments et discuter. C'est rarement parce qu'ils connaissent notre niveau de jeu. Merde, je croyais. Merde, les gars, on m'a menti encore une fois. Non, mais enfin, voilà. Non, mais enfin, voilà la phrase du mec qui s'est pas parlé. En même temps, enfin. Voilà, si tu veux des abonnés, faut arrêter d'insulter les gens qui aiment Squeezie. Parce qu'il y a plein de gens qui aiment Squeezie. Hein ? Attention, j'ai pas dit que j'aimais pas Squeezie, j'ai dit qu'il niquait le game de Twitch. C'est pas la même chose. Après, faut voir, hein, s'il fait pas assez de live, s'il fait pas... Voilà, il aura, on a il aura peut-être... sur le chat, qui nous dit Cyprien Gaming, pédophilie maternelle. Un peu joyeux. En même temps, moi, Cyprien Gaming, j'ai regardé deux fois et je me suis dit, ouais, non. Là, c'est ça. Après, bon, ça marche pour lui. Enfin, Cyprien, il a atteint les 10 millions d'abonnés. Rien que pour ça, déjà, bah, ouais, GG ouais. Pour lui, quoi. C'est ça. Non, mais Cyprien... Après, voilà, mais... après moi, je préfère quoi. Cyprien à Squeezie. Maintenant. Ah oui, largement, oui. On parle de deux choses différentes, quand même. C'est ça. Comparons ce qui est comparable, quand même. C'est ça. Mais disons que pour moi, Cyprien, c'est un homme d'affaires. Ah, puis il est bourré de talent, aussi. Ah oui, complètement, un mec qui dessine, il est monstrueux, il fait plein de trucs. La monnaie voilà. Égyptienne. Quoi ? C'est le film ! Hein ? Il y a The Spirou qui dit, tu critiques le stream, OMG, je me défollow. D'ailleurs, je devrais défollow The Spirou pour impunctualité. Ouais, je pense aussi. Ouais. On rappelle que The Spirou devait jouer avec nous ce soir. Mais que... pour ceux qui avaient pas compris. Spirou, tu as bien fait d'ouvrir ta gueule, tiens. Mais que pour ceux qui avaient pas compris, The Spirou a oublié qu'un rendez-vous, on respecte l'horaire, et qu'il se pointe à 22h30 au lieu de 21h. Et si jamais, je rappelle aussi à The Spirou que je suis pas en quémandage de follow, que vous me suivez si vous avez envie. Et que moi, ça me fait plaisir si vous avez envie, que si c'est pour me suivre, pour me faire plaisir, ça sert à rien. Oh, putain d'art. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'apprécie énormément les follow. Et que si vous me suivez, en général, c'est horrible ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Je préfère un mec qui me follow pas, mais qui vient sur tous mes lives et qui chatte. J'en ai un comme ça, qui s'appelle Sauron, qui vient depuis une semaine sur tous mes lives, mais il me follow pas. J'en ai rien à faire qu'il me follow pas. Le mec, il est toujours présent, il discute, il dit des choses qui sont intéressantes. C'est cool. Voilà, comme j'ai niqué le game. Alors, bonjour, c'est Planu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des pompions, ça gratte. Salut Planu. Merci Planu.
Félix pour ce descriptif. Ça nous fait plaisir de t'avoir sur le live. Est-ce que t'as vraiment envie de nous parler de tes morts? T'as vraiment envie de nous parler de tes morpions ce soir? Je pense qu'il a lancé ça en mode YouTube game justement. Salut les gars. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez des morpions, ça démange. Non, ça gratte pas. Le relou. Le mec qui se sent obligé de corriger, tu sais. Le connard de base. Ce soir, c'est le live des connards, on aurait dû l'appeler. On en est pas loin. Je crois que je vais aller le renommer. Ah, mais t'auras peut-être plus de followers, du coup. Plus de followers, effectivement, ouais. Je suis pas quête de followers. Bah alors du coup on va tous se désabonner. Non mais attendez les gars. on va réfléchir autrement. Attendez, on va en parler, hein. Donc. The Spirou, je t'ai fait de la pub sur. Il y a pas de mot derrière. Je suis allé sur Cyprien Gaming, je suis allé faire de la pub. Je t'ai fait de la pub. J'aurais dit que t'aimais pas. Du coup. Je leur ai dit que t'aimais pas Cyprien, tu vas voir, ils vont arriver. Et quand on couche, Planus, il nous dit... Attendez, il va falloir que je respire à un moment. On est en attente de Bacal, je tiens à le préciser. En même temps, vous me faites rigoler. Sa sœur, c'est quand même vachement similaire qu'avec sa tante, non? Quoi? J'en ai marre de ce live, les gars, ça part en couille. La poésie est pas dure. Je vais renommer bien. Le live des... pour que ça passe, je vais l'appeler le live des canards. Parce que sinon, après tout, tu vas pas aimer. Moi, je vais l'appeler Brazzer.com. Le live des canards. Voilà. The Spirou, le chat de le stream. Ah, bah, ils vont venir voir lire le chat, ils vont être contents. Moi, je vais l'appeler Brazzer.com. Je t'ai fait de la pub là où il y a les mecs, tu sais. Remarque, je suis allé jeter un oeil parce que la curiosité est un bien défaut. Et en fait, ils stream jamais Squeezie et tout ça. Sur le stream. J'ai jamais vu un stream à part le jour de l'ouverture, j'ai vu qu'ils avaient fait un truc de présentation. Du coup, c'est ce que je te disais. En fait, ils ont créé leur chaîne, c'est bien, ils vont avoir beaucoup d'abos et tout. Mais au final, s'ils stream jamais. Ils auront plus d'abos déjà et bah c'est bien d'avoir des follow, ouais, mais si tu fais rien. Ah non, mais je t'ai pas précisé, bah, toi qui connais pas la chaîne, c'est une live de stream 24h sur 24, il y a toujours quelqu'un qui stream. D'accord. Ils font des trucs bien. Ils sont 12 dans l'équipe et ouais. Ils se relaient sur des horaires, il y a un planning en fait. Ça m'attriste. Ah, Planus a modifié mon titre, il a rajouté Kiffon Coin Coin, le live des canards Kiffon Coin Coin. Merci Planus pour cet ajout important. Voilà, c'est merci. C'est merci. C'est le GG. C'est le GG. C'est le GG total. Je me demandais à ce qu'il rajoute dans la liste de Play Song Request la danse des canards. Mais j'ai pas mis le Song Request pour l'instant, je pourrais le mettre d'ailleurs. Planus, veux-tu que je mette le Song Request pour animer ce live de manière radicale? Tu sais, t'as tous les gens sur le stream qui ont vu le message de The Spirou, ils vont venir sur mon live, tu sais. Ils vont arriver, ils vont essayer la danse des canards. Ah, salut, merci. Bon, on va repartir hein, finalement. Mais c'est plus des temps de chargement, ça devient. Sachant que j'ai appuyé. Oui, mais essayer de se faire pardonner en faisant de la pub, c'est pas bien ça. Bah, c'est pas bien parce que ça marche pas. Ça. Parce que, à la limite, si ça marchait, bon, hein, on l'aurait oublié. Mais. Mais Planus, je t'encouragerai toujours dans ta connerie. Tu es un modérateur sur mon live, et mon live, c'est n'importe quoi, sinon c'est pas drôle. Et voilà, voilà, encore un chargement. Putain. Oh, on a fait. De valider. On a un serveur en papier, c'est pas possible quoi. Non, ça c'est faisait quoi, un serveur, les gars. Ça faisait 5 minutes hein, que j'avais appuyé. Sinon, je vous ai dit que j'avais un serveur TS ou pas?
On est 4. Eh ben, merci aux 4 viewers actuels. Désolé pour toutes les insanités qu'on dit depuis tout à l'heure. Et non, tu nous as pas dit que t'avais un serveur TeamSpeak, mon ami Bakael. Ouais. Mais c'est cool, maintenant tu nous l'as dit. Non, parce que en fait, comme on se plaignait d'avoir. Non, mais tout à fait. Du un coup, Skype trop lourd. Réinstalle TeamSpeak, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un serveur privé, donc on aura accès tout le temps. Bah, c'est, voilà, moi, ouais, c'est, je vais l'installer demain. Bah, demain, ça me paraît bien. Je sais pas, je propose qu'on demande à Spirou quand il est libre et qu'on prévoie le jour d'après. Attendez, moi j'ai un truc à faire. Il y a Planus qui a mis une chanson sur mon Sangre Quest. Il faut que j'aille la lancer pour faire plaisir à tous les viewers ce soir. Que tout le monde. Mettre non, ses mains sous ses essais. Point, point, point. Et en plus, ah non, ah par contre, Planus, je vais te démodérateurer. Hein, quoi? C'était français, ça? Il vient de rajouter dans mon song request. Wesh, du. Ouais, non, mais là, il y a des limites quand même, Planus. La blague, c'est bien. Tout, on peut rigoler, hein, mais on peut rigoler 5 minutes, mais faut pas déconner. Ah ça, j'ai jamais écouté du Jul, mais je n'écouterai jamais du Jul. T'as de la chance. Ma maman m'a interdit. Ah, elle est bien ta maman. Non, tu n'as pas le droit ultime, Planus, via le chat. D'ailleurs, c'est bizarre parce que tu devrais avoir le droit ultime. Ça, je veux pas être méchant, mais c'est les sites qu'on attend pour une fois. En attente de Kazuo, quoi. Pas de problème. Ah, si, je te jure, c'est marqué sur mon écran. Putain, j'ai toutes les vieilles chansons. Et c'est vrai qu'hier, Planus a rajouté sur le live la chanson Alliage de Baila, du groupe Alliage. Baila! Nanana! Attendez! Non! Moi, je ne savais pas que Alloy, ouais. Ça voulait dire Alliage en anglais. D'accord. Et vu que c'est le personnage de Horizon Zero Dawn, The Spirou a ajouté le titre de Florent Pagny, les murs porteurs. Quoi? On écoute de la musique ici. Du coup, je vais mettre la danse des canards. Et profitez tous de ça. On va baisser un peu le son. Voilà. Bienvenue sur le Casio Live. Elle dure combien de temps cette putain de chanson? Je sais pas, je t'entends pas. Ah ça va, elle est pas très longue. 23 minutes, ça va. minutes, t'imagines? Ah bah ça va, c'est supportable. Moi je peux baisser mon casque et vous. Je m'en fous, c'est moi qui parle après la musique, vous démerdez avec. Ah, le remix, oui, le remix est très long, mais celle que tu as mis sur le Song Request est assez. Ah, j'espère. J'ai un peu d'espoir encore. Spirou ajoute le titre Cyprien, je suis roumain. Oh putain. Non mais voilà, en plus de pas être venu à l'heure, il fait n'importe quoi, quoi. C'est ça. Sachez, amis viewers, que tout le monde, abonné ou pas, a le droit à la commande du Song Request. J'ai la main mise dessus, pour pas avoir des sons de merde dans les oreilles. C'est pour ça que je fais écouter la danse de canard. J'aime beaucoup cette partie. On fait pas beaucoup de temps de chargement. Non. Par contre, je tiens à te signaler, Kazoo, qu'en fait, c'est de ta faute. Pourquoi c'est de ma faute? Ça marque synchronisation de Kazoo. Ah, c'est marrant, ça, mais synchronisation de Bakael. je pense que la faute n'est pas forcément celui qu'on croit.
Je pense que c'est la faute de The Spirou. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il aurait été là, il aurait été host, et voilà. C'est assez insupportable cette chanson. On va se refaire les oreilles un petit peu là. J'aime bien cette chanson, donc je vais la mettre. Ah non. Non, ça c'est un remix, j'aime pas, ça dégage. Florent Pagny, non, je crois pas. On va plutôt mettre Let the Body Hit the Floor, ça va un peu vous calmer deux secondes. Histoire d'écouter ça, c'est moi qui l'ai rajouté, ça se voit. Voilà, ça fera un peu plaisir sur le live. Et après, je suis à moi et son Gréco, c'est parce que vous arrêtez de faire de la merde. Ça vous a séché. Ah, je suis désolé, je suis en train de jouer et puis comme vous arrêtez pas de vous plaindre que je joue pas assez vite. Pour l'instant, je suis en attente de cure, ça va. Pour une fois. Et on est en attente de cure. Hein. Voilà. 23h26. Alors qu'à faute de lui, on finit à 23h30 déjà et voilà. Ça fait mal aux oreilles ce truc. The Spirou, il est en train de critiquer Let the Body Eat the Floor. C'est pas grave, il est vegan. Son avis compte pas. Cinq points. Tu crois qu'être vegan et écouter du métal, c'est incompatible? Non. Et c'est juste pour critiquer Planus Spirou. Planus a passé le titre en cours. Oh, Planus, t'as osé. Planus, il a osé switcher. Oh. Du coup, j'ai fermé mon Song Request. Voilà. Là, pour les punir. Direct. Je comprends. Ça marche super bien. Le Spirou, il dit bonne nuit. Bah ouais, nous on va jouer à Civilization. En live. Bah casse-toi. Ouais. Les mecs, ils l'ont trop mauvaise. Mais non, parce que... Je redis, s'il y a des nouveaux joueurs ce soir, bienvenue, bonsoir sur le live. Il n'y a pas de soucis, nous on est agréable et tout. Hein. The Spirou est l'auteur de cette partie sur Civilization 6 à la base. Il est venu sur nos lives à Bakael et à moi-même. Et nous avons sollicité Kiora pour la partie. J'ai sollicité Pianus aussi, mais il n'a pas le jeu. Et en fait, The Spirou est venu à 22h30. Lolo, comme sa petite fleur, tu sais. Petite fleur de vegan. Il est arrivé tranquillement, j'aime la nature, j'aime les animaux. Bonsoir, pourquoi vous m'avez pas attendu? Le pauvre. Non, mais c'est horrible. Moi, je sais pas vous, mais j'ai ruminé depuis tout à l'heure. J'ai ruminé. On a lancé la partie sur son idée, il était même pas là. Alors certes, il était fatigué. Mais merde. C'est pas une excuse. C'est quoi comme gouvernement? Ah, il fait peut-être temps que j'ai un gouvernement. Ça serait pas mal. Quand même, ouais. Ah, voilà, c'est mieux ça. Alors. Plus tac. Et en bonus. Ah, voilà, c'est mieux ça. Alors. Qu'est-ce qu'on va jouer en bonus, les amis? Pas rien. Voilà. Coup d'entretien. Un d'or de moi par unité. Ça change mon madone. Ouais, j'ai gagné une pièce d'or. Youpi, tralala, t'as un peu. Vas-y, un Doug. Putain, j'en ai des choses à faire sur ce tour-là. Ça va être ma faute, le temps du retard. Envoyez un émissaire. Oh là là, il y a trop de choses à faire. Ah ben voilà, bravo. N'importe quoi, le mec. Regarde, j'ai arrêté. Y'a quoi ici? Y'a rien? Et ben on va raser la. Oh, on va monter la production. Hop là. Nickel, complexe de loisirs terminé. Hop, du coup, on va faire un arena. Et on passe au tour suivant. Et avant Bakael. Tu dis la compétition. Tu dis ça parce que t'es fait chier. Live.
Mais ça va être la fin du live. En tout cas, sur Civilization 6. Non, moi, je vais... Car voyez-vous, les amis, certaines personnes travaillent. Je vais aller pleurer parce que bah, Spirou, il était pas là ce soir. Ah, je comprends. Ça me fait toujours un petit truc. Moi aussi, je vais aller pleurer sur un autre jeu. J'ai pas encore décidé lequel. Je pensais faire du Cross Maga. Legend of Dragoon. Putain. C'est un bon choix. Putain. M'en parlez pas, j'en ai marre. On s'est dit, fait que de sauter, j'arrive pas à y jouer. Ah merde. Je vais le télécharger, je crois. Bah écoute, Planus, si te fait envie, malgré tous ces temps de chargement, parce que là, effectivement, voilà, ce soir, C'est notre faute. Hein. Par quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura, il n'a pas le PC le plus puissant de l'univers, mais au moins il nous permet de streamer dans une qualité meilleure. Ta-da-da-da-da. Quand tu l'es, je dis que... Mais c'est avec plaisir, Planus, qu'on joue avec toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je joue avec toi. Bon, d'un autre côté, s'il le télécharge illégalement, il jouera pas. Et qu'il arrive pas. S'il le télécharge illégalement, il jouera pas avec nous. J'ai pas compris ce que t'as dit. S'il le télécharge illégalement, il jouera pas avec nous. Non, mais il va l'acheter. Ah, je sais pas, t'as dit il va le télécharger. Bah oui, le télécharger sur ordinateur, il faut le télécharger. Faut l'acheter d'abord. Moi j'ai pas la boîte, hein. Moi aussi. Alors j'achète pas les boîtes des jeux de PC. Moi, oui, j'aime les boîtes. J'aime les boîtes, mais pas les jeux de PC, j'ai jamais aimé. J'aime les boîtes. En plus, avec Civilization, il y avait un morceau de papier pour te gratter le cou. Papier. Il y avait un morceau de carte à la con qui est resté dans la boîte d'ailleurs. Ok, aussi tu manques de papier toilette, c'est très pratique. Hier soir, je me suis tenté avec la carte de Civilization, c'était sympa. Le mec qui est trop là pour le jeu qui stream. Je suis désolé. Je devrais pas. C'est les nerfs. Cette soirée fut démoniaque. Captivante. Riche en émotions. Faudra me tenir au courant pour le jeu sur PS4. Il n'y a pas de soucis, Planus. On maintient toujours ça pour l'instant. Du coup, on commence à 20h. Du coup, on commence à 20h. Non, Non, parce qu'il y a des chances que comme ça, tout le monde soit là avant 22h. Ah, et encore, c'est pas sûr. En plus, le 1er avril, je crois que c'était un vendredi ou un samedi. On avait fait exprès. Voilà. On avait regardé. Ah, on a défini une date ? Parce que tu devais encore en parler avec les autres ? Non, je te l'avais dit, j'en ai parlé à Cura et j'en ai parlé à Planus. Ah bon, on en avait parlé ? Je vous déteste tous. Mais chaque minute de ma vie, je vais les vouer à prier pour qu'il vous arrive quelque chose. Mais j'étais là quand on vous marchez parlé. Sur des Lego en vous levant tous les matins. J'en ai pas. Et justement, c'est ça qui te fera mal. Tu veux mais pas m'en offrir ce putain de... Non. Voilà. Je peux pas, j'ai à quoi poney. Non, c'est pas possible. Quand bien. Je suis inscrit à toutes les séances. Je sais, je t'ai vu. Je suis au fond de la salle. Ah, c'est toi le gars qui sait rien faire. Ah, pardon. C'est ça, c'est moi. Bon. Ouais, mais en même temps, je suis avec un cheval dans un cours de poney, j'ai rien compris. Du coup, il est pas à faire trompette avec sa queue, le cheval, il fait pas grand chose, quoi. Sa queue derrière. Ouais, c'est ça. Non, parce que je vous vois venir à 5000 sabots. Ouais. Ouais. Le live du n'importe quoi. Arrête de burler. tu vas pas me burler dessus maintenant. Tam 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 Embauchons des mecs pour faire la musique d'ascenseur. Moi j'ai un moment d'attente qui m'est resté en mémoire, c'est une fois j'attendais chez SFR et là il y a Should I Stay or Should I Come Back qui passe. Et là t'es là,
C'est vrai, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais maintenant? Je me suis dit, c'est trop la bonne chanson à mettre, quoi. En même temps, tu es chez SFR. C'est pas loin d'être ça. C'est ça pour tous les opérateurs, de toute façon. On vous prend votre argent, mais c'est tant mieux. Mais c'est pas grave. Vous pouvez payer 40 euros pour avoir 20 mégas par mois. J'ai 0,8. Ouais, c'est bon, vous êtes dans les tolérances, mais pas faire enculer. Qui est tolérant, c'était pas marqué. Ouais, non, mais faut lire les petites lignes, monsieur. C'est un débit maximum. Si vous êtes collé à l'antenne. Même pas. Même l'ordinateur qui connecte sur leur antenne, il a pas les 20 mégas. Ah, mais ça fout du câble. Même je suis sûr que dans les mecs qui bossent dans les bureaux d'Orange, ils arrivent à se plaindre de leur connexion. Il y a des chances, mais les gens arrêtent toujours et jamais de se plaindre. C'est un principe de base. Tu... Putain, j'ai 90 mégas, pète les couilles, il y a marqué 100 sur le contrat. Ouais. C'est quand que le service technique, ils vont enfin passer? C'est pas possible. Quelle bande de branleurs. On les sent toujours à la machine café. Va sur Brazzer, c'est vachement bien. Ah oui, bah, je veux dire aussi pourquoi c'est important de streamer tard, comme ouais. Ça la nuit, en semaine. Parce que du coup, le Québec nous regarde après. D'accord. Et tu sais que j'ai regardé un stream québécois et j'ai rien compris. Ah, est-ce que vous êtes allé voir Space Pocket? Non, toujours pas. Bah, en même temps, tu nous l'as demandé il y a 2 heures, donc ça va pas changer oui, depuis. Hein. Depuis, on est en live, donc. Je vous en avais pas parlé avant. Si, tu nous as envoyé des mails, des SMS, des notifications Facebook et Twitter. Non mais sincèrement, ouais, allez le voir quand il stream à l'occasion. Vous dites que vous venez de ma part en plus, il sera content. Et si vous le follow, il sera encore plus content. Il va nous faire, mais c'est qui Kassou? Bah, on verra, effectivement, ouais, mais normalement, non. Non, j'ai dit que j'enverrai des gens et que ces streams sont vraiment bien, c'est rare que je vente des streams comme ça. C'est-à-dire quand je parle du stream de Bakay, il dit ouais, allez-y, je le connais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Au bout d'un moment. Alors, mais les streams sont vraiment dynamiques et tout. Il a investi pas mal de trucs. Il a 600 et quelques followers. C'est joli. Ça fait combien de temps qu'il stream? Ça va faire un an, je crois. C'est encore plus. On va se faire ban avec tes conneries. Pourquoi mon planus, on va se faire ban? Je vais me faire battre de mon propre stream. Non mais c'est vrai qu'il y a des règles sur Twitch, ça peut aller. Pourquoi? T'as pas le droit de faire de la pub pour les autres? Si. Non mais pour Brazzer, je suis pas sûr. C'est à peu près ça, ouais. Mais si Twitch n'est pas capable de comprendre que le Brazzer est un sandwich du KFC, c'est son problème. Voilà. À un moment, faut dire les choses telles quelles. Je suis pas sûr que t'aies le droit de faire de la pub pour KFC non plus. Donc après il faut au moins que je dise Mazo et Quick dans le même live. Ah oui, 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 c'est bon, c'est fait. Exactement. C'était Casio, merci, bonsoir. À la prochaine. Non mais Space Pocket, je viens de la part de Casio. Ouais, ça passe. Et il fait quoi? Il nous fait une blague en plus, un truc quoi. Pourquoi tu veux qu'on dise qu'on vienne de ta part? Pour voir qu'il est connu en France. Hein? Ça l'intérêt, c'est que ça marche outre-manche. Quoi? C'est bon, j'en ai un, j'ai pas besoin d'un deuxième. Moi voilà, je fais de la pub parce que ces lives ils sont bien, après vous êtes pas contents, c'est pareil hein. Moi je sais qu'il m'amuse bien, il est fun, il est complètement barré, il a des animations pour tout, il a des boîtes à son, il est constructif, il est intelligent, il est québécois putain. Ah mais c'est pas incompatible hein. Je sais pas pourquoi tu dis il est québécois, c'est pas incompatible avec intelligent, il est pas belge quoi. Me cache de ma carrière. Je ne cautionne pas ça sur mon live. Oh putain, l'enculé. Il a osé, il a craqué complet.
En même temps, c'est pas gratuit, c'est parce que Spirou il est belge, c'est tout. Enfin, je veux dire, je m'excuse pour tous les Belges, mais je pense que si on trouve un viewer belge qui arrive à l'heure, qui arrive à l'heure à une soirée jeu, il y a pas de souci, je m'excuserai à plein ventre même s'il le faut. C'est vrai, mais j'en ai plein d'autres J'en ai quelques-uns des viewers belges, et figure-toi que hier soir... Il y a Planus, il est venu me dire le message que t'as pas voulu lire en entier. De quoi ? Il ne lit que la moitié des messages, j'ai rajouté « Tu viens de la part de Kazuo, le relou. » Je pense qu'il est surtout trop vite pour mon chat qui peut héberger que 6 mots à la fois, enfin 6 lignes à la fois. Ah, l'excuse de merde! Bah non, c'est vrai! Ah, mais voilà, après, c'est tout! Pas content, c'est pareil, voilà! C'est tout! Alors. Parlons peu, parlons peu. Mais du coup, on devait pas arrêter pour Kiora. Si, un petit peu. Il y a à peu près 11 minutes. Non, mais il faut que tu le dises, il y a pas de souci. De toute façon, c'est toi qui dois enregistrer la partie, c'est toi qui host. On peut tous enregistrer si on veut d'autres hostés, mais je l'enregistre aussi de toute façon, tiens. Sois plus sage. Attends, j'ai la photo. Quoi le relou hashtag ban. Qu'il est con. Temps d'aller chasser. Sauvegarder la partie. Tu vas sauvegarder aussi. On va l'appeler multi sans le retardataire. Entre parenthèses, The Spirou collabo. Pourquoi pas, j'espère. Non, bah ça passe pas. Donc juste entre parenthèses. Voilà, juste je mets les parenthèses. Est-ce que c'est joli? Voilà, ça fait un rond. Comme ça. Moi je l'ai appelé multi soirée Spirou sans Spirou. GG. Classique. Classique mais fonctionnel. C'est ça. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie d'être passé. Je remercie Kiora et Kazuo qui ont réussi, en plus d'être à l'heure, ils ont réussi à venir jouer. Ce qui semblerait être un exemple bizarre. Vu que visiblement, il n'y a que les Français qui peuvent y arriver. Enfin, en tout cas, les Belges, ils n'y arrivent pas. Et on se retrouve très bientôt pour du Civilization, pour du Nier, pour du Horizon et pour du Zelda. C'était Bakel. C'est bon, tu peux faire ton au revoir maintenant, vas-y. Bah franchement, j'ai rien d'autre à dire. Vous prenez ce qu'il a dit, vous le rajoutez pour moi sans les trucs racistes. On va clôturer ce live sur Civilization 6, je vais sûrement relancer derrière sur un autre jeu. Et on verra bien. Sur ce, ciao ciao. Ok, elle est déconnectée. Yep. Le stream est coupé, vous êtes le dernier joueur humain de la partie. Ça avance tout seul, je comprends pas. Retour au bureau. J'entends cheval. J'en ai marre de moi-même.